Et vous êtes joli, joli, joli. Olo, ah bébé, vous êtes joli. Bébé waka, vous êtes joli. Olé, beau de l'eau, ah bébé, vous êtes joli. La nouvelle contente de mon maman, c'est le waka, ah bébé, vous êtes joli. Et vous êtes joli, joli, joli. Comme un joli, c'est F4, elles sont jolies. Il n'y a pas de Cameroun sans vous. Elle est ma bouillée, qui va solo vous soutiendrez. Oh, même les miens vous soutiendrez. Oh, les ma bouillée, oh, bébé, oh, vous êtes jolie. Je ne suis pas propriétaire du droit d'auteur Facebook. Je ne suis pas propriétaire du droit d'auteur. Merci, merci. Oui, la famille. Mignon. Mignon cité, 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 mignon. Oh, tchaba, 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 je ne suis pas milliardaire, j'ai tout ce qu'il me faut. Oh, la simplicité de l'homme, oh, sa mignoncité, oh, l'amour des gens qui m'aiment. Je suis arrivé à Libreville, Congo, à la ville, j'ai retrouvé l'amour. L'amour, oh, l'amour, ça n'a pas de frontières, oh, l'amour n'a pas de limites. Voilà, voilà ma plus grande fan qui est arrivée, Laurie Malolo, ma plus grande fan. Comment tu vas, Laurie? Je sais que tu es amoureuse de ma calvitie, mais c'est l'argent, je vais faire comment? Je suis né comme ça. Ouais, noblesse, dignité, élégance, on va faire comment? Mignon. Mignon. Mignon, cité, 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 mignon. Tchava 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 tchava. Alors partagez la famille. On va commencer les hostilités. Quand je vois ma plus grande fan qui est là, ça me fait plaisir de voir que ma Lolo a répondu présente. Il manque quand crie les traits. Faut biper ton frère quand crie les traits, comme ça il arrive. J'ai joli Lolo. Lolo. Le mari, le mari de ta copine. Lève le doigt ma soeur. Comme ma Lolo, lève le doigt. Lève, lève, oh. Lève le doigt. Lève, lève, oh. Maman, oh. Tu tapes son dos. J'ai tapé sur ta part. Tu tapes sur mon dos. J'ai tapé sur ta part. Tu tapes sur mon dos, je tape sur ta part.
tape sur mon dos, je tape sur ta part, tes épaules pleurer. Ouais. On tape, on tape dos, on tape, on tape. Voilà, bon les gars, on va commencer. On va commencer les hostilités. Vous savez que quand le prof est de retour, comme ça, le retour du prof, je vous ai dit, ça sera, comme a dit Nyangono, hein, c'est dévastatrice, hein, ou dévastatrice. Alors donc, bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous et à tous et bonsoir à la famille combattante. Bonsoir au peuple de la résistance, bonsoir au peuple de la révolution. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez dans le monde, je vous dis un bonsoir. Donc, aujourd'hui, j'ai l'idée de faire ce direct. Nous allons parler spécialement des Bamileke. Vous avez vu à l'introduction, donc les Bamileke, parce qu'il faut qu'on soit clair, il faut qu'on essaye d'ordonner les choses et puis qu'on essaye de se comprendre. Parce que les Bamileke, envoyez des cœurs, surtout les partages, Déjà, merci à tous ceux qui partagent. On est à 48 partages, c'est pas bon, il faut qu'on partage encore, il faut partager. Entre-temps, moi-même, j'essaie de trouver pour partager, comme j'étais en train de suivre la musique. Donc, partageons la famille, partageons. N'hésitons pas de partager, attendez que moi-même, je trouve le direct déjà, pour pouvoir partager. Mais entre-temps, n'hésitez pas. Partagez, parce que c'est important. Attendez, je baisse le volume là d'abord. Voilà, j'éteins ici. À partir du moment où on va ouvrir la ligne, c'est là, si on a le temps d'ouvrir la ligne, on va ouvrir la ligne et puis on va prendre les appels. Donc, partagez la famille, partagez. Donc, moi-même, je cherche, je cherche comment je vais partager. Voilà, donc, pourquoi ça, c'est comme si c'est maintenant que sur d'autres pages, ça vient en ligne. Alors, rebonsoir à ceux qui viennent de se connecter, rebonsoir à Alix, bon, rebonsoir à Malolo, ma grande fan qui est toujours là, qui me suit partout. Bonsoir Malolo, bonsoir vraiment pour tout ce que tu fais, parce que vous savez qu'en termes de promotion, il y a plusieurs façons de faire la promotion. Hein. Il y a la promotion négative qui permet toujours aux gens de venir suivre et de comprendre ce qui est en train de se passer, et la promotion positive. Donc Malolo, elle est partie dans un sens de faire une promotion négative, mais elle oublie que cela porte toujours ses fruits, parce que ça permet aux gens de m'appeler, ça permet aux gens de me contacter pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe avec ce projet que je suis en train de mettre en place, que j'ai appelé le congrès. Vous voyez que elle a sélectionné, elle ne parle pas du congrès de Bamileke, parce qu'elle sait qu'en parlant du congrès de Bamileke, elle va encore faire plus de pub, mais elle va parler d'une petite rubrique que nous avons mis dans un élément du congrès qui est Miss Bamileke. Mais nous allons revenir là-dessus. Ça nous fait plaisir quand même, ça nous fait plaisir de voir des gens que nous pensions parfois que nous parlons dans le vide, mais par contre, nous avons des gens qui nous suivent. Donc, c'est important. C'est vraiment avec un réel plaisir que je vois sur la toile, que je vois l'enthousiasme que tous ces projets-là sont en train de prendre sur la toile. Donc, ça me fait vraiment plaisir parce que au départ, je ne pensais même pas que les gens allaient vraiment s'intéresser. Mais je vois aujourd'hui que beaucoup de personnes s'intéressent. Donc, c'est super important. Partagez, puis on avance. 60 partages, c'est bon, ça évolue. Donc, continuons les partages. Continuez le partage, les amis. Ne regardez pas le nombre de vues. Partagez dans les groupes WhatsApp. Partagez dans les groupes Messenger. Partagez sur Facebook, dans les groupes Facebook. Partagez partout sur vos propres pages. C'est le plus important. C'est le plus important. Parce que ce sont les partages qui vont faire en sorte que les gens puissent suivre l'émission après. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le temps, c'est qu'il y a le décalage horaire. Mais quand vous ne partagez pas, parfois, il y a des gens qui ne sont pas au courant qu'il y a eu une émission qui s'est passée. Donc, au fur et à mesure que vous partagez, que ça permet que le lendemain, même après-demain, les gens viennent et s'intéressent à regarder, à suivre. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu beaucoup de partages sur ce direct? Cela veut dire qu'il y a quelque chose de spécial et tout. Et nous allons entrer dans les hostilités. Un Bamileke ne sera jamais président. Commençons par le début. Je pense que c'est un ministre. Il est quoi aujourd'hui? Je pense qu'il est magistrat. Joseph Ouna, si j'ai bonne mémoire, si je me trompe, essayez de mettre ça en commentaire, mettez cela en commentaire pour me dire si effectivement j'ai raison ou pas. C'est Joseph Ouna qui était le premier à dire un Bamileke ne sera jamais un président. Je ne sais pas s'il était le premier ou pas, mais bon, je pense que peut-être eux, dans leur clan du RDPC, ils avaient déjà pensé ça depuis. Mais par contre, il était peut-être le premier à avoir sorti ce mot, un Bamileke ne sera jamais président. Donc, j'aimerais qu'on partage pour qu'on revienne là-dessus, parce que c'est la genèse de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur la toile, de tout ce qui est en train de se passer même au niveau du Cameroun. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas réellement les enjeux de ce combat et pourquoi le peuple Bamileke s'est levé, pourquoi le peuple Bamileke n'accepte plus tout ce mépris, toutes ces insultes qui sont passées dans les années passées et qu'aujourd'hui, nous avons décidé que la nouvelle génération des Bamileke ont pris à bras le corps
et rester droit debout pour dire à ces gens qui ont pensé qu'il suffisait tout simplement de nous intimider pour que nous puissions recroqueviller, que cela est terminé. Donc c'est terminé. Alors, quand quelqu'un vient vous dire, dans un pays, on dit nous sommes dans une république. Dans une république, on a un membre du gouvernement qui se lève un matin et dit dans une presse. Donc, ça veut dire, il dit en public, ce n'est pas une conversation privée, parce que nous avons lu cela dans une presse. Dans une presse de la place, il vous dit qu'un Bamiléké ne sera jamais président. Et certaines personnes vont dire que non, ça ne sert à rien, il ne faut pas lui répondre, ainsi de suite, quoi que ce soit. Mais regardez que depuis des années, je ne sais pas en quelle année, Joseph, on avait parlé de cela, mais vous voyez que jusqu'aujourd'hui, ça continue. Ça continue parce que le combat du jeu, c'est quoi? C'est à partir du moment. Parce qu'il dit qu'un Bamiléké ne sera jamais président, ça ne veut pas dire qu'un Bamiléké ne sera jamais candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'il faut qu'on fasse bien la différence. Mais quand un Bamiléké sera parmi les favoris, c'est là où son mot un Bamiléké ne sera jamais président va revenir. Et c'est ce que nous avons vu depuis 2018. Depuis 2018, c'est ce que nous avons vu. Au départ, ils n'avaient pas vu venir le président Kantou. Le régime ne l'avait pas vu venir. Ils l'ont simplifié. Ils ont négligé le travail que le président Kantou était en train de faire. Ils ont fait semblant de ne pas voir la campagne du président Kantou. Ils n'ont pas médiatisé le combat, la campagne du président Kantou. Quand il dit que les médias, c'est comme si on avait donné un mot d'ordre aux médias de ne pas en parler. On a vu même les chefs de village interdire les meetings du président Kantou dans leur propre village et tout. Ce qui n'est pas déjà normal, ce qui n'est pas acceptable dans une république. Mais nous l'avons vu au Cameroun. Et le Bamiléké continue toujours à rester tranquille. Le Bamiléké ne comprend pas, le Bamiléké n'a pas compris que le fait de dire qu'un Bamiléké ne sera jamais président, c'est le fait de dire que les Bamilékés ne sont même pas Camerounais. Les Bamilékés ne représentent rien à l'échelle politique du Cameroun. Donc c'est de cantonner les Bamilékés dans un secteur bien défini. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui se disent aujourd'hui que nous les appelons aujourd'hui les propriétaires du Cameroun. Donc depuis le départ, avec l'accord ou bien avec la complicité des colons, ils ont décidé que il y a un peuple qu'il faut écarter du pouvoir. Il faut mettre loin du pouvoir politique. Il ne faut pas que ce peuple-là puisse un jour s'exprimer. Et les raisons, c'est quoi? Quand nous regardons la géopolitique, quand nous essayons un peu de comprendre ce qui se passe au niveau du Cameroun, on comprend que le seul problème, c'est que le Bamiléké est l'un des peuples les plus combattants, les plus combattants, les plus résistants. L'un des peuples qui a dit non à l'esclavage, l'un des peuples qui a dit non à la colonisation, l'un des peuples qui s'est battu, qui a perdu beaucoup d'hommes pour que le Cameroun arrive à l'indépendance, l'un des peuples qui se bat pour que le Cameroun puisse être libre, libre, totalement libre. Et pour cela, il faut à tout prix et à tous les prix empêcher que le Bamiléké ne puisse pas être dans certains postes au Cameroun. Si le Bamiléké doit être dans un poste, il faut que le Bamiléké soit celui-là qui est un béni, oui. Celui qui accepte qu'on le piétine, qu'on l'écrase. Ces colons ont réussi, parce que quand vous voyez même la colonisation, c'était avec l'accord. C'est nos chefs, nos propres chefs de village même, qui se battaient, qui accompagnaient leur population pour se battre contre les colons, contre les blancs, contre les Français, contre les Anglais. C'est nos propres chefs de village. Mais aujourd'hui, tous ces gens qui nous ont aidés, qui ont aidé la population à se battre, ces mêmes gens aujourd'hui sont devenus nos propres colons. Ça veut dire qu'avec l'association qu'ils ont fait avec le régime en place, c'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui sont là pour nous coloniser, qui sont là pour nous empêcher de nous exprimer, qui sont là pour nous interdire les manifestations publiques dans notre propre village, qui sont là, qui sont associés avec le régime en place pour livrer les combattants qui ne demandent que la vérité, les combattants qui ne demandent que la liberté, les Camerounais qui ne demandent que la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté de se plaindre, parce que nous avons le droit de nous plaindre quand ça ne va pas. Mais c'est ces mêmes personnes qui sont chargées, qui sont nos responsables. Donc nous avons choisi, parce que c'est nous, aucun chef ne s'est imposé dans aucun village à l'ouest et même dans le Cameroun. C'est les villageois à l'époque qui ont choisi quelqu'un pour les représenter, parce qu'il fallait qu'on organise le village. Et à l'époque, quand on t'explique comment dans plusieurs villages, ils ont choisi les chefs, ils ont choisi les hommes qui étaient généreux, des hommes qui pensaient à leur population, dont nos arrière-grands-parents, qui étaient nos chefs de village ou nos rois, ont été rois et chefs parce que la population avait vu en eux, non seulement c'était des conquérants, c'était des battants, c'était des combattants, et c'était des combattants qui combattaient pour le peuple, donc ils étaient généreux.
Ils étaient généreux. Voilà les raisons qui ont poussé les populations à décider que non, il faudrait que ce soit un tel qui soit notre guide, comme ils appelaient dans le passé, que ce soit un tel qui soit notre guide. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore dire que ce chef vraiment représente, est-ce que ce chef représente encore ce qui était dans le passé? Est-ce que nous pouvons encore le dire à haute voix? Est-ce que nous pouvons encore le dire à haute voix que ces chefs aujourd'hui qui sont dans nos villages représentent encore ce que nos ancêtres, nos grands-parents avaient choisi? Un homme généreux, un homme courageux, un homme battant, un guerrier. Est-ce que nous pouvons encore dire cela? Parce que les chefs étaient sur le terrain de guerre à l'époque. Mais pour délimiter les frontières des villages, les chefs des villages étaient sur le terrain de guerre. C'est là-bas même qu'ils partaient combattre. Ils ne restaient pas dans une case ou dans une maison et envoyaient des gens. C'est eux qui étaient devant, c'est eux qui dirigeaient les troupes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces chefs que nous avons à la tête de nos différentes chefferies, est-ce que nous pouvons encore considérer qu'ils représentent vraiment tous ces critères que je vous ai cités tantôt? Est-ce que nous pouvons encore dire cela? Tous nos chefs sont devenus les ventrus. Sont devenus tous des ventrus. Sont devenus tous ceux-là qui ne pensent même pas à leur peuple. Sont devenus tous ceux-là qui ont abandonné leur peuple. Sont devenus tous ceux-là même qui sont prêts à vendre, à tuer leur peuple juste pour le pain et la sardine. Et vous pensez que nous, aujourd'hui, cette nouvelle génération, envoyez des cœurs, la famille, envoyez des cœurs et continuez le partage. Envoyez des cœurs et surtout continuez le partage parce que c'est important. Continuons le partage, continuons ensemble le partage, parce qu'il faut que ce soit ensemble que nous partageons. Donc tous ceux qui sont là, nous sommes à peu près à plus d'une soixantaine de personnes sur toutes les plateformes. Donc il faudrait que nous continuions le partage, donc continuons ensemble le partage. Nous sommes à 62 partages, donc j'aimerais que si nous sommes presque déjà 70 personnes, si chacun d'entre nous fait au moins ce, même si c'est 2 partages, ça va déjà encore faire plus de 100, 140 partages. Et après plus de 62, nous serons au moins plus de 200 partages. Donc partageons, partageons le temps, puisqu'il faut que le message passe. Il faut que les gens puissent comprendre le message que nous parlons. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et le message que nous passons, nous ne le passons pas seulement pour les Bamilkés. Même si nous parlons uniquement des Bamilkés, nous savons que c'est les mêmes choses qui sont passées dans plusieurs villages au Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un ensemble de communautés, de villages qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun. Parce que c'est très important. Merci, merci, pseudonyme temporaire. Merci beaucoup, merci. Donc partageons, partageons la famille, partageons parce que c'est important. C'est important pour moi, c'est important pour vous, c'est important pour tout le monde. Nous ne serons pas longs parce que vous savez que on a décidé de ne plus faire des directs qui sont assez longs pour permettre aux gens après qui n'ont pas beaucoup de méga de pouvoir suivre. Donc, quand on vous dit qu'un Bamiléki ne sera pas président, certaines personnes sont allées jusqu'aujourd'hui. Nous sommes en train de comprendre que le message qui s'est passé peut-être il y a 10, 15 ou 20 ans, c'est en 2018 que ce message-là a été vraiment bien implémenté par les Sardinards. C'est en 2018 et jusqu'aujourd'hui en 2021. Le Collins n'a pas le droit, dans ce combat, en tant que Bamiléki, Collins n'a pas le droit de dire que je soutiens le président Kamto. Collins n'a pas le droit. Mais si Collins sort et il tire sur le président Kamto, alors là, Collins est un grand combattant. Collins est un très grand combattant. S'il sort et il dit que non, le président Kamto est monté, le président Kamto est descendu, là, Collins devient un très, très grand combattant. Mais si par contre, Collins apporte son soutien au président Kamto, alors, c'est les frères du village. Il le soutient parce qu'il est de son village. Il fait ceci parce qu'il est de son village. Collins n'a pas le droit. Bonsoir, Rapido Design. Collins n'a pas le droit d'apporter même son soutien à un combattant qui est Bamiléki dans ce combat. Et c'est ce que nous n'avons pas compris depuis le départ. Parce que ce problème de Bamiléki qu'on est en train de parler, depuis le début de ce combat, nous étions tellement enthousiasmés par le fait qu'il fallait à tout prix qu'on avance dans le combat, qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. On n'a pas vu venir. Il y a des choses qu'on n'a pas vu venir. Il y a des choses qu'on n'a pas vu venir parce que tout a été fait dès le départ pour écarter le Bamiléki au fur et à mesure. Tout a été fait dès le départ pour écarter le Bamiléki au fur et à mesure. Parce que, expliquez-moi, il est inadmissible aujourd'hui que du fait que je vais peut-être dire seulement bravo à un combattant Bamiléki parce qu'il a mené une action, alors c'est toute une foudre qui va tomber sur moi. Oh, les frères du village. Et comme on le dit souvent, parce qu'il faut qu'on soit clair, j'ai vu un post quelqu'un dire, quand un combattant, quand les Sardinards reprennent déjà le langage d'un combattant, ou quand un combattant parle comme les Sardinards, ça veut dire que le combattant là devient dangereux. Mais qui sont ceux qui nous ont traités les frères du village? Est-ce que ce n'est pas les Sardinards? Est-ce que ce n'est pas les Sardinards qui nous ont traités les frères du village? Mais vous voyez que ce n'est plus les Sardinards qui utilisent ces mots. Ce n'est plus les Sardinards qui utilisent ces mots des frères du village. C'est certaines personnes qui ont cheminé avec vous.
C'est certaines personnes qui ont cheminé avec nous, qui passent maintenant leur temps à nous dire que nous sommes les frères du village à partir du moment où nous apportons un soutien au président Kanto. Le MRC, le président Kanto, comme l'a dit Maître Touko tout à l'heure, comme l'a dit Maître Touko, le MRC, et le MRC en général, ou la démarche du président Kanto, qui décide d'engager sa démarche dans le domaine pacifique. Il a toujours dit. Ce n'est pas comme s'il le dit aujourd'hui. Il a toujours dit que lui, il est un pacifiste. Mais posez-vous la question, parce qu'il y a des choses sur lesquelles parfois j'aime un peu qu'on revienne en arrière et qu'on essaie un peu de réfléchir. Posons-nous tous ensemble la question de savoir pourquoi, c'est maintenant, pourquoi c'est en 2021, pourquoi c'est en 2021 que ceux qui soutenaient la démarche du président Kanto, en apportant leur propre vision des choses, parce que, il faut le dire, nous n'avons jamais soutenu la démarche du président Kanto sans proposer autre chose. Il faut que cela soit clair. Nous avons toujours soutenu la démarche du président Kanto, mais en parlant de la révolution. Nous avons organisé ce que nous avons appelé les états généraux de la révolution. Ce n'était pas les états généraux de la résistance. C'était les états généraux de la révolution. Donc, pour voir comment on devait mettre en place. Et ça s'est passé en 2019. Et bien, en 2019, cela s'est passé. Donc, c'est depuis 2019 que nous parlons de la révolution. Ce n'est pas en 2021. Parce qu'il faut que les gens essayent un peu de se rappeler comment le combat a évolué. Mais pourquoi ceux-là qui ont combattu la révolution, en nous disant qu'ils sont que des activistes, ils ne sont pas des révolutionnaires, ils ne sont pas prêts à mourir, comment brusquement c'est ces gens, quand ils voient que beaucoup de personnes ont compris qu'il faut plutôt consolider la résistance, le projet du président Kanto, et construire notre projet à côté comme nous l'avons toujours fait depuis le départ. Mais pourquoi c'est ces mêmes personnes, non seulement qui ont combattu la révolution, qui n'ont pas voulu participer aux différentes séances de réunion que nous avons organisées pour parler de la révolution, pour porter la révolution camerounaise, pour voir comment est-ce que nous devons conduire la révolution camerounaise. Pourquoi est-ce que c'est ces mêmes personnes qui nous ont combattu, qui viennent aujourd'hui combattre aussi en même temps la résistance? Et en combattant la résistance, ils vous parlent qu'ils sont dans la révolution. Mais je ne comprends pas. Il y a des choses sur lesquelles parfois, quand on reste, on dit, mais on n'a pas besoin de parler. Mais on se rend compte qu'il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle parce qu'à un certain moment, on dit quand c'est trop, c'est laid. Il y a des moments où on ne veut pas parler. Mais on est toujours dans l'obligation de parler. On est dans l'obligation de parler. Mais quand tu vas vouloir parler, donner des explications, on va dire non, tu soutiens la démarche du président Kanto parce que c'est ton frère, parce que tu es babiliqué. Parce que tu es bamileke. Mais tu ne verras pas. Tu ne me verras pas. Ou une autre personne dit que, oui, l'autre aussi, c'est parce qu'il n'est pas bamileke qui soutient la démarche du RDPC. Ou bien qu'il utilise le même langage que le RDPC. Si on le dit, on va dire que non, c'est vous qui voulez détruire le combat. Mais entre-temps, ceux qui viennent sur la toile nous disent que vous êtes les frères du village. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé à le dire. Ce n'est pas aujourd'hui. Avant, on a dit que c'était les Barantés. Après, ils ont ajouté les Bafans. Après, maintenant, comme ils ont vu les actions que les Bafans ont menées au Cameroun, tous sont devenus Bafans subitement. Et personne ne dit plus que ce sont les Bafans. Tous sont devenus Bafans subitement. Au départ, quand vous voyez sur la toile, oh, c'est les Bafans veulent garder le combat. Oh, c'est les Barantés. Maintenant, c'est les frères du village. Ils ont englobé tout le monde pour dire les frères du village. Et tout ça, c'est les mêmes clans. Le même clan. Parfois, on n'a pas besoin de parler, mais on est dans l'obligation de parler parce qu'il faut dénoncer. Dénoncer pour construire. Il faut dénoncer. Nous avons des gens dans ce combat. Ça, je ne peux pas vous mentir. J'ai l'impression que ces gens ont fait une OPA sur le combat. Donc, ils pensent que le combat les appartient, en fait. Ils pensent, je ne sais pas si peut-être quelqu'un les a promis ça quelque part, quelqu'un les a promis quelque chose quelque part, mais quand on analyse tout, on a l'impression, moi j'ai l'impression, qu'ils pensent que le combat les appartient. Donc, que nous sommes leurs sujets. Ils ne savent même pas que même le président, quand on ne contrôle même personne, parce qu'il ne nous contrôle pas, nous on n'est même pas du MSC. Et même dans le MSC, vous voyez comment ils sanctionnent même les gens tous les jours, parce que les gens même n'écoutent pas toujours comme on pense. Les gens ne sont plus les bénis, oui, nous sommes quand même en 2021. Nous sommes en train de nous battre sur la paix, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de parole. Mais quand je vois par exemple des gens qui ne comprennent pas, qui viennent nous faire croire que nous allons marcher que comme ils veulent. Donc ça veut dire que quand Colin se lève et qu'il fait son direct, il passe son message, tu vas voir quelqu'un qui va dire que non, tu as parlé comme ça parce que c'est les frères du village, parce que tu es le frère du village, parce que non les gars.
À un certain moment, sortons dans ce genre d'histoire. Quand je dis que sortons, je parle de ceux vraiment qui sont focus dans le combat. Ceux qui savent que le combat fait partie de leur vie. Ceux qui savent qu'ils se battent, qui sont des guerriers depuis dans l'âme et qui se battent vraiment pour que les choses chez nous changent. Ceux-là doivent se détacher de ce genre de petits clans cachés derrière certains faux profils que j'avais bien identifiés dès le départ. Ces faux profils qui passent le temps seulement à nous cogner les têtes. Ces faux profils, vous les connaissez tous. Et vous connaissez les faux profils qui sont là pour le combat, pour avancer le combat. Vous connaissez les faux profils qui sont là pour encourager. Vous connaissez les faux profils qui sont là pour assister même dans les marches. Et vous connaissez les faux profils que personne ne les a jamais vus. Ils ne sont jamais sortis de leur clavier. Depuis le départ, ils sont derrière le clavier. Comme si c'est le régime de Paul Biya qui les avait fabriqués. Ils sont entrés, ils ont fait semblant de nous soutenir, nous tous. Mais à partir du moment où on n'est pas d'accord avec les démarches, ça devient maintenant qu'on est les frères du village et il faut nous abattre. Ils oublient une chose. Tous les combattants sont entrés dans ce combat, la majorité d'abord, par leur propre conviction. Bonsoir Ferdinand, par leur propre conviction. Donc avant de continuer, j'aimerais d'abord vraiment dire bravo. Bravo à cette jeune femme, bravo à cette jeune dame, bravo à cette femme qui a quitté Londres pour venir accompagner les combattants au niveau de Berlin, dans de l'Allemagne, aujourd'hui, depuis 2 juillet et aujourd'hui, concernant le problème du deuil. J'ai dit, bravo à Sandy de Boston. Parce qu'il faut non seulement avoir de la conviction pour prendre ce temps-là, pour se déplacer, abandonner sa famille et tout, prendre les risques, pour venir manifester régulièrement et partout en Europe et même dans le monde, même aux États-Unis. Mais par contre, je suis surpris de voir certaines personnes qui se disent combattants et combattantes surtout, faire des sorties ou des posts pour critiquer ou pour parler je ne sais pas quoi. Pourtant, nous sommes dans un combat qu'on dit un combat d'ensemble. Disons merci à l'ambassadeur Diff Dimeli. Merci à tous ces combattants qui les ont accompagnés aujourd'hui devant l'ambassade du Cameroun. Parce que c'est de cela il est question. Notre combat, comme on le dit, ça vient de tous les côtés. Quand je vous dis qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont fait un hold-up sur le combat, parce que si c'était ces gens qui avaient fait la même action, vous verrez que sur la toile, ça devait chauffer aujourd'hui. Oh, mais quand c'est une autre personne qui mène une action, alors c'est silence radio. Ceux qui essaient de dire bravo, on les insulte seulement, ainsi de suite. On trouve toujours une raison pour tirer sur le combattant ou la combattante qui a mené l'action, au lieu d'encourager tout simplement l'action et de passer à autre chose. C'est pour ça que je dis que c'est dommage. C'est dommage parce que ces gens qui le font ne sont pas des gens que nous connaissons physiquement. Ce sont des gens qui sont cachés en faux profil. Mais ce sont des gens que nous allons les voir, les mêmes clans que nous allons les voir demain soutenir une autre personne. Je vous ai dit une chose. Un activiste ne se bat pas pour être arrêté par la police. Moi, je vous l'ai toujours dit. Un activiste ne se bat pas pour être arrêté par la police. Un activiste se bat pour éviter les arrestations. Parce que les arrestations, ça te fragilise, que tu le veuilles ou pas. Mais les Camerounais n'ayant pas la culture de l'activisme, certains Camerounais ont cru que c'est en allant affronter la police qu'ils vont être connus, qu'on va savoir qu'ils sont très courageux. On n'affronte pas la police quand on fait de l'activisme. On n'affronte pas la police, surtout à l'étranger, on n'affronte pas la police. On mène son action coup de poing assez rapidement et on disparaît. On le voit comment ça se passe. Ce n'est pas parce qu'on a peur, mais c'est parce qu'on préfère être libre, sans poursuite judiciaire, sans contrainte, sans amende, et mener son combat régulièrement. Un activiste n'a pas besoin d'aller bagarrer avec la police. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui, avec tout ce que nous avons. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va abandonner ces combattants-là? Non, mais nous devons tout simplement conseiller ces combattants comment est-ce que l'activisme se passe. Nous sommes à l'étranger. Nous ne sommes pas dans une révolution. Parce que la révolution se passe par l'étranger. La révolution se passe dans le parti même, dans le pays même. On ne peut pas mener la révolution camerounaise étant en France. On ne peut pas mener la révolution camerounaise étant aux États-Unis. Pour mener la révolution camerounaise, il faut être au Cameroun. Ce n'est pas toi le principal qui doit être au Cameroun. Il faut avoir des troupes au Cameroun. Parce que la révolution doit se mener sur place. Tu n'es pas obligé d'être sur place. Hein? Mais il faut avoir des personnes sur place qui vont mener la révolution. Et quand tu as des personnes sur place, c'est étant sur place dans une révolution qu'on affronte la police. Parce qu'on sait que c'est un aller simple. Quand on se lève pour une révolution, pour dire que le président doit partir, ou le dictateur doit partir, quand on se lève, c'est parce que tant qu'il ne part pas, on ne rentre pas à la maison. On sait que le retour de cela, c'est soit il est plus fort que nous et nous allons faire peut-être la prison, ils vont nous tuer, soit nous sommes plus forts que eux et nous réussissons à les renverser. Mais quand nous sommes à l'étranger, en train de manifester tout simplement pour faire passer un message, pour sensibiliser, pour conscientiser le peuple, nous n'avons pas besoin d'aller bagarrer avec la police, nous n'avons pas besoin.
Nous avons besoin de faire nos actions coup de poing. Comme nous voyons par exemple les Femmes le faire tout le temps, les gens de Greenpeace et tout. Ils font des actions tout le temps partout dans le monde. Vous allez voir, Greenpeace va arriver par exemple sur les Champs-Élysées ou bien sur la Tour Eiffel. Ils vont monter au sommet de la Tour Eiffel. Ils vont détacher leur drapeau pour passer le message. En moins de 5-10 minutes, ils ont abandonné le drapeau là-bas. Ils sont faufilés dans la foule. Avant que les policiers n'arrivent, ils sont tous partis. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Parce que l'essentiel, c'est de passer le message. L'essentiel n'est pas d'être arrêté par la police ou bien de bagarrer avec la police ou d'aller pour qu'on dépose une plainte contre vous. Et quand vous venez manifester, tant que la police ne vous arrête pas, les policiers ne peuvent pas vous suivre. Même s'ils voient dans les vidéos ceux qui ont mis les banderoles sur la Tour Eiffel, ils ne vous poursuivront pas parce qu'ils ne vous ont pas arrêté. Ils ne viendront pas chez vous chercher. Donc c'est pour cela qu'il faut apprendre les actions coup de poing. Il faut apprendre aux Camerounais l'activisme à l'étranger. À quoi ça consiste de faire l'activisme? À quoi ça consiste? Quand nous allons, par exemple, dans une manifestation, dans une marche, vous voyez que ça se passe toujours normal parce qu'on n'est pas là pour bagarrer avec la police. On fait la marche tranquillement. Mais vous n'allez pas comparer la marche des gilets jaunes avec, par exemple, la marche des Camerounais. Parce que les gilets jaunes, ils sont chez eux. Ils peuvent transformer leur marche en révolution pour faire partie Macron. C'est pour ça qu'ils peuvent affronter la police. Donc, comme les Camerounais 237 doivent affronter la police. Au 237, les Camerounais doivent affronter la police parce que nous sommes dans une révolution au niveau du 237. Pas dans une marche simple. Quand le président Kamto lance de dire une série de marches pour demander le départ de Paul Biya, il dit bien une série de marches pour demander le départ de Paul Biya. Ce n'est pas une série de marches pour demander à Enéo pourquoi il n'y a pas la lumière. Il dit bien c'est pour demander le départ de Paul Biya. Comprenons très bien. Mais c'est parce que c'est nous-mêmes qui n'avons pas su faire le travail qu'il faille faire. Encourager les gens. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté les gens le 22 et avant le 22 que cela va faire en sorte qu'on va baisser les bras, on va arrêter de travailler. Non. On doit continuer la sensibilisation que nous avons commencé depuis 2018. On doit, même si nous avons par exemple des actions parallèles ou bien des alternatives, nous devons plutôt continuer à soutenir. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas être là. On a le régime qui a pour objectif de détruire l'opposition camerounaise et principalement le président élu, le MRC. Mais nous avons aussi d'autres partis satellites qui ont pour mission d'infiltrer et de détruire la résistance. Mais maintenant, nous avons aussi des combattants qui viennent jouer le même jeu en sous-entendant que le président élu est lent, le président élu est mou. Mais est-ce que ce n'est pas le jeu du RDPC? Est-ce que ce n'est pas le jeu du régime que vous jouez? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est normal? Et quand on va venir maintenant pour vous critiquer, parce qu'il faut aller dans les idées pour critiquer et non sur des personnes, quand on vient maintenant vous critiquer, vous allez partir dire que non, vous critiquez parce que c'est les Bamileke, parce que c'est les frères. Vous voyez que le mot Bamileke revient. Ça veut dire qu'on fait tout pour que le Bamileke ne parle pas. On fait tout pour que le Bamileke se taise. On fait tout pour que le Bamileke reste muet. On fait tout pour que le Bamileke soit là seulement pour dire pour le béni, oui. Seulement pour applaudir et montrer les dents. Pour dire tel est grand combattant, tel est ceci. Voilà le rôle qu'on donne au Bamileke. Donc jouer la marionnette exactement comme les Bamileke du régime. Mais nous ne sommes pas les Bamileke du régime. Nous sommes désolés. Nous ne sommes pas les Bamileke du régime. Nous sommes des combattants, des véritables combattants qui sont levés de manière individuelle et de manière personnelle, comme vous tous, comme nous tous. Nous nous sommes rencontrés dans ce combat. Nul n'a embauché l'autre. Mais par contre, les Bamileke dans le combat ont toujours été ceux-là qui ne comprennent pas la démarche. Ceux-là toujours qui pensent, certains Bamileke qui pensent qu'il faille que nous soyons là pour nous asseoir, pour ouvrir les bras, pour montrer les dents, parce qu'on a peur que les autres personnes qui ne sont pas Bamileke vont quitter le combat. Mais ils sont engagés que pour nous. Est-ce qu'ils se sont engagés pour nous? Un homme Bamileke qui s'engage dans le combat, il s'est engagé pour toi, pour moi, mon frère. Il s'est engagé parce que lui, il a ses propres problèmes. Est-ce que moi, avant de m'engager, je me suis engagé que pour un autre Bamileke? Je me suis engagé pour moi-même. Je me suis engagé pour moi-même. Est-ce qu'il fallait que... Et vous voyez que... Tant qu'on ne dit pas les choses clairement, tant qu'on n'est pas capable de les dire à nos frères, parce que nous sommes des frères, à dire à nos frères combattants, à nos amis combattants, d'arrêter avec cette espèce de chantage. Il faut arrêter avec ce chantage-là. Parce que ça ne passe plus, ça ne marche plus, c'est fini. Arrêtez avec le chantage, ça ne passe plus les gars, ça ne passe plus. Partagez la famille, partagez. Partageons ensemble le direct, partageons la famille, partageons le direct. Ne soyons pas aussi chiches en partage comme ça. Romain Dizane, partage le direct. Ne soyons pas chiches.
quand vous partagez le direct, ça se voit. Je vois sur votre profil que vous avez partagé le direct. Partagez le direct, ne soyons pas aussi chiches comme ça. Yé, hey, c'est devenu un quoi? Yé, malé, comme on dit. Hmm? C'est devenu quoi? Apprenons à partager le direct. Apprenons à partager le direct. Partageons le direct. Partageons, partageons le direct. J'ai assez de moyens pour avoir les gens qui vont s'occuper des bébés et ma soeur. J'ai assez de moyens. Ce n'est pas mon premier bébé. Donc, ce n'est pas mon premier bébé. Tu comprends maintenant? Donc, j'ai les grands enfants. Je suis grand-père 4 fois. Donc, comprends que j'ai les moyens pour qu'on puisse s'occuper. Je suis peut-être jeune, mais comme tout enfant de la rue, j'ai commencé la vie aussi très jeune. Donc, heureusement ou malheureusement, c'est comme ça que ça a été. Ah, merci, merci Romain. Ça, tu vois, quand tu partages directement, ça se voit. Tu vois, ça se voit que tu as partagé. Il y a Bobologuel là qui n'a pas partagé, qui pose seulement les questions à la con. Partagez d'abord le direct avant qu'on continue. Partagez le direct, partagez, partagez, c'est important. Partagez le direct. Parce que vous savez qu'on a un défi. On a plusieurs défis. Hein. On a le défi de ce partage-là. C'est parce que vous n'êtes pas dans les groupes. Dans les groupes, les gars vous insultent même. Que vous les babilequez là. Voilà que vous n'arrivez même plus à faire les directs avec 10 vues, avec 20 vues. Vous voyez, vous pensez que c'est monté des endus. Nous allons vous traiter. On ne va même plus vous regarder. On a tout ce problème-là dans les groupes. C'est grave. C'est qu'on ne peut pas venir sur la toile partager les messages qui se parlent là-bas parce que ce n'est pas normal. On préfère discuter là-bas comme ça pour essayer de convaincre. Certains de nos frères, que non, le combat, ce n'est pas un combat de Bamileke, c'est un combat pour tout le Cameroun. Voilà, voyez, ça monte qui était de 65, partage à 111 partages. C'est ça, il faut partager. C'est un défi, le combat, c'est un défi. Nous devons démontrer à ces sardinats, nous devons démontrer à tous ces gens que non, nous ne sommes plus les mêmes personnes d'hier. Nous avons compris que le message doit passer, ça doit aller jusqu'au fin fond, au fin fond. De Bamongoum, ça doit aller au fin fond de Bazou, de Baganté, de Tonga, de Baham, de Bafoussam, ça va, le message doit aller au fin fond de nos villages. Au fin fond de nos villages, les messages doivent arriver dorénavant. Donc c'est important. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à vous. Merci de continuer à partager. C'est ça notre défi. Merci, merci, merci de continuer à partager. Nous sommes déjà à 124. Vous voyez qu'on a doublé le nombre de parents qui est de 60. De 105 à 131. Voilà, c'est normal. Partagez la famille, partagez. Partagez. Parce qu'il faut qu'on explique aux gens. Il faut qu'on explique vraiment pourquoi le Bamileke de 2018-2021, la nouvelle génération de Bamileke, ce n'est plus le même Bamileke d'hier. Parce qu'hier, on venait dire au Bamileke que, on devait dire au Bamileke que c'est le parti des Bamileke. Les Bamileke devaient croiser les bras et dire que non, il faut qu'on évite ça. Et c'est ce qui se passe au pays. Le Bamileke a peur au pays, même parmi nos blogueurs, ce Bamileke-là, qui évite de parler de problèmes politiques. Pourtant, nous avons vu, nous voyons les Ivoiriens. Eux, ils prennent le courage de parler parce que chez eux, ce n'est pas comme chez nous. Ils ont pris le courage depuis le départ de parler de ce problème politique. Quand nous voyons par exemple nos blogueurs, nos blogueuses qui évitent de parler du problème politique au Cameroun, c'est parce que le régime les a fait comprendre que c'est un problème bamileke. Comme elles ont peur qu'on les traite de tribalistes, de quoi que ce soit, pourtant elles ne sont pas tribalistes, mais elles ont peur, elles ont oublié que non, je ne suis pas moi sur la politique, je ne fais pas moi la politique. Mais pourtant, quand vous voyez par exemple l'artiste qui est, ou bien le blogueur qui est non bamileke, il n'hésite pas de parler de la politique, il n'en a rien à foutre. Vous allez voir que eux, on ne les traite pas de tribalistes. Hein. Quand un blogueur va venir apporter son soutien à Paul Biya, on ne doit même pas le traiter de tribaliste. Non. On ne doit pas le traiter de tribaliste. Mais quand un bamileke va apporter son soutien au président Kanto, on va dire que non, c'est le frère du village. Donc regardez comment on a réussi à mettre dans votre tête. Et c'est une technique qu'on réussit à mettre la tête un peu comme le bourreau va faire en sorte que tu vas commencer à l'apprécier. On dit, c'est, je ne sais pas comment vous appelez ça en bon français. Il y a beaucoup de gens qui disent, si tu parlais au Camerounais, je devais partager, mais comme tu parles au Bamileke, ça ne me concerne pas. Voilà, Momo, Osegati, Kecha, vous ne les frappez pas. Et c'est ce que je suis en train de parler, même dans mon direct, c'est ce que je suis en train de parler. Comment tu ne les frappes pas? Si tu as lu l'introduction, j'ai bien parlé les Bamileke dans le régime. Je vais venir là sur la deuxième partie, les Bamileke dans le régime. On n'est plus là pour cacher quoi que ce soit. Et on n'a même jamais caché. On n'a jamais caché. Merci Ulrich. On n'a jamais caché. Parce qu'il faut que les gens comprennent que le Bamileke s'est levé pour le Cameroun. Mais maintenant, nous avons un problème. Nous avons un problème parce que nous ne voyons pas ceux qui sont par. Prenons le cas du MRC. Prenons le cas du MRC. Dans le MRC, nous avons l'un des vice-présidents ou l'un des conseils, je ne sais pas quoi, je ne suis pas du MRC, mais je comprends parler, qui est Biloa Efa, et qui est madame, il y a aussi la vice-présidente du RDP, du MRC, qui n'est pas Bamileke, il y a même Maître Sims et tout. Mais vous n'avez jamais compris ces gens du RDPC venir, par exemple, parler d'eux. Et quand ils parlent, par exemple, du MRC, un parti Bamileke, ils ne parlent pas d'eux parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas Bamileke.
C'est la même chose. Que, regardez par exemple le RDPC. Le RDPC, quand vous voyez par exemple le comité, ou c'est le comité central du RDPC, vous allez voir que le secrétaire général du RDPC, c'est un Bamileke. Voilà, Noir, Madame Noir. Madame Noir, Tyran Noir. Elle n'est pas Bamileke. Mais comment est-ce que on peut aujourd'hui venir vous dire que le MSC, c'est un parti Bamileke et ça fait en sorte que vous n'avez pas peut-être le courage de parler? Merci, merci à Q Kanto, merci. Comment est-ce qu'on peut venir aujourd'hui vous dire que le MRC est un parti bamileke et ça fait en sorte que vous n'avez pas le courage et que vous sentez que oui, ils ont même raison? Comment ils ont raison? Dites-moi, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison? Déjà que dans un pays, est-ce que dans un pays on va dire que tel parti c'est un parti de tel village? Et même si c'est un parti de tel village, ça change quoi? Ici on dit qu'il y a les partis chrétiens, non? Il y a les partis chrétiens. Est-ce que vous voyez les partis chrétiens? Dans d'autres pays, il y a les partis chrétiens, il y a les partis musulmans. Est-ce que vous voyez les partis chrétiens aller tirer sur les partis musulmans? Est-ce que vous voyez les partis musulmans aller tirer sur les partis chrétiens? Il y en a ici en Europe, les partis chrétiens et les partis musulmans. Il y en a dans beaucoup de pays. Est-ce que vous voyez un autre, parce qu'ils sont déjà, ils sont là pour la croyance les deux. Est-ce que vous avez vu un côté aller tirer sur l'autre? Non. Mais on vient au Cameroun faire comprendre que ça c'est un parti du village. Donc comme c'est un parti du village, ils ne sont pas capables de diriger le Cameroun. Vous voyez comment on est en train de vous sectariser. Et qui sont ceux qui disent ça? Qui sont ceux qui sont donc habilités à diriger le Cameroun? Qui sont ceux qui choisissent les gens pour diriger le Cameroun? Ça veut dire que vous ne représentez rien. Vous ne représentez absolument rien. Parce qu'on ne vient même pas vous laisser le choix. On vous impose un choix et on vous dit. On vous intimide et vous comprenez. Et quand notre rôle maintenant à nous, c'est quoi? C'est de sensibiliser ce peuple-là. Ce peuple qu'on a longtemps torturé. C'est de les sensibiliser. Il faut s'assumer de A à Z. Effectivement, il ne faut plus avoir peur. Si on dit que les frères du village, tu acceptes que oui, c'est mon frère du village et plus quoi. Si tu es trop fâché, non, va fumer le courant. Regardez par exemple ce qui se passe au Cameroun. Vous avez les gens du RDPC, parce que parlons du RDPC, qui ont pris sur eux, en tant que parti politique, d'aller brûler la maison du sous-préfet. Le sous-préfet c'est une institution, hein, comme ils nous ont fait comprendre. Ils prennent sur eux d'aller brûler la maison du sous-préfet. Ils bloquent les routes, ils font des manifestations sans autorisation. Mais est-ce que vous avez vu quelqu'un être poursuivi au niveau de la justice au 237? Est-ce que vous avez vu quelqu'un être poursuivi? Non. Donc, ils vous démontrent là, tout simplement, que l'État, c'est eux. Le pays leur appartient. Ils vous démontrent. Ils n'ont même pas besoin de passer de midi à 14h. Rien que seulement ces actions-là. Pourtant, c'est le renouvellement des organes de base du RDPC. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun. Donc, c'est un parti politique. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'État. C'est un parti politique. Regardez comment ils font. Donc ils ne sont même plus là pour se cacher. Regardez Jacques Famen Ndongo. Oui, c'est Jacques Famen Ndongo qui va venir en tant qu'un ministre, en tant qu'un homme d'État qui a passé toute sa vie dans le gouvernement, toute sa vie dans le gouvernement, va venir vous dire ils vont regrouper les enfants du Sud. Il parle bien les enfants du Sud pour parler du problème du Cameroun, hein. Et pour regrouper les enfants du Sud, Ils font participer Jean Kuété, le Bamileke qui est ministre des Travaux, là où c'est les Travaux, comment l'appeler encore? Mettez-moi son nom, celui qui est pour les Travaux. Celui qui a même les problèmes que ses enfants et tout. Il est là, il est ministre des Routes, où c'est des Routes, c'est des Travaux publics, là. Ils font par exemple, parce que moi je n'ai même pas souvent trop retenu le nom de ces ministres, autant parce que pour moi, depuis 2018, ce gouvernement n'existe pas. Voilà, Nganou Ndoumessi. Ils font participer Nganou Ndoumessi. Pourquoi Nganou Ndoumessi vient là-bas, dans la réunion, les parler comment est-ce qu'il va goudronner les routes du Sud? Donc ils font une réunion des enfants du Sud, des ressortissants du Sud, mais ils font participer un ministre de l'État du Cameroun, dans une réunion qui est censée être une réunion familiale. Ils font participer un ministre dans une réunion familiale. Mais comprenez, parce qu'il y a des choses sur lesquelles il faut parfois qu'on revienne comme ça, doucement, doucement, pour que les gens puissent comprendre. Oui, Ndoumessi, Nganou Ndoumessi. Comprenez très bien. Voilà les gens qui ont confisqué le pouvoir. Quand les gens du Sud bloquent les routes, parce qu'ils demandent le pont, les routes et tout, voilà Famen Ndongo qui part pour donner 200 millions. Il promet 200 millions. Il promet 200 millions qu'il prend où les 200 millions? Qui lui a demandé d'aller promettre 200 millions? C'est sur quelle base qu'il part promettre les 200 millions? C'est sur quelle base? Quels sont les critères qui font en sorte qu'il promet d'abord 200 millions en tant que qui?
Voilà des gens qui n'ont pas. Ça veut dire que nous sommes dans un pays où les propriétaires vous ont déjà dit ouvertement que c'est nous. Le Cameroun là, c'est nous. Ils passent pas, ils ne sont pas là pour passer de midi à 14. Ils vous le disent tous les jours que le pays là, c'est notre pays. Vous là, vous êtes que des figurants. Vous n'êtes que des figurants. On va prendre certains d'entre vous comme ça, comme Momo. Momo est très content parce qu'il est entré dans la mangeoire. Donc on va prendre les gens comme Jean de Dieu, Momo, on va mettre à côté d'eux pour essayer un peu de diluer le tribalisme. Pour essayer de diluer le tribalisme. Voilà. Ils vont prendre les Momo pour mettre parmi eux pour essayer de diluer le tribalisme. Pourtant, ceux-là même qui sont des tribalistes au Cameroun, ceux-là qui n'arrivent même pas à construire leur propre groupe ethnique dans leur propre région. Ils n'arrivent pas à construire leur propre région. Ils vont tout faire parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Uniquement à eux, ils ne pensent pas aux Camerounais. Comprenez très bien. Le problème est qu'ils ne pensent pas aux Camerounais. Parce que s'ils faisaient même ça, même s'ils volaient même l'argent, un exemple, avant peut-être que les Camerounais ouvrent les yeux comme ils ouvrent maintenant, s'ils avaient même volé l'argent comme ça et construit même, ne serait-ce que leur propre village. Leur propre village. S'ils avaient même construit leur propre village. Vous allez voir quelqu'un qui va venir mettre une maison qui va coûter peut-être 500 millions dans un village où il n'y a même pas la route. Pour arriver chez lui-même, il n'y a pas la route. La seule ligne électrique qui va passer va quitter par exemple du centre-ville jusqu'à aller loin chez lui. Donc les gens vont seulement s'agripper dessus pour avoir aussi l'électricité chez eux. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas une élite qui a une capacité ou bien les moyens de mettre une maison et de tirer la lumière jusqu'à chez lui, vous allez avoir tout un village et qu'il n'y a pas de lumière. Vous allez avoir tout un village qui n'a pas de lumière. Ce n'est pas seulement l'histoire du sud, hein, c'est presque partout, quand même dans le littoral. Hein, même dans le littoral, je peux vous dire que j'étais au CS de Bonnet. J'étais au CS de Bonnet. Il y a un village qui est entre Ebonnet et Maningolais qu'on appelait Nkongnini. En Nkongnini, il n'y avait pas la lumière. Donc à Ebonnet, il y a la lumière. À Maningolais, il y a la lumière. En Nkongnini, qui est au milieu, il n'y avait pas la lumière. Pourquoi? Parce qu'en Nkongnini, il n'y avait pas d'élite en Nkongnini qui puisse prendre la lumière à Ebonnet pour arriver chez lui et permettre que les autres, qui puisse prendre la lumière à Ebonnet, pour arriver en Konini et permettre que les autres personnes puissent agripper dessus. Nous sommes comme ça dans le Mungo, dans le littoral. Hein. Nous sommes dans le littoral. Ce n'est même pas que c'est en fin fond, ce n'est pas dans la bourse, hein. Ce n'est pas comme les Mangamba, où on va dire qu'à partir d'Ebonnet, on va encore entrer dans la forêt. C'est sur l'axe lourd, Douala, Yaoundé. Donc ça veut dire que c'est des villes, des villages qui sont sur la route nationale, c'est des villages qui sont sur la route, mais il n'y a pas de lumière. Et qu'il n'y a pas de lumière. Pourtant, en Ndongé, il y a la lumière. En Ndongé village, il y a la lumière. À Ebonnet, il y a la lumière. En Goa, il y a la lumière. En Konini, il n'y a pas de lumière. Et à Maningolais, il y a la lumière. Donc ce n'est pas une histoire qu'on est en train de parler seulement pour parler comme ça. Oui, il faut comprendre que faire participer Nganyou Djoumessi à cette réunion, c'est pour le rendre responsable de l'enclavement du sud et se dédouaner. Donc à l'heure, le peuple du sud sait que c'est la cause de Nganyou. Peut-être c'était aussi le modèle. Peut-être c'était le modèle, mais Nganyou Djoumessi est d'abord ministre du Cameroun. Même si c'est les ministres usurpateurs, mais il est ministre usurpateur de la République du Cameroun et non du sud Cameroun. Donc ils peuvent faire leur réunion du sud, personne ne les empêche de le faire. Mais fait participer un ministre qui vient promettre des choses dans une réunion qui est censée être une réunion de famille. Donc ça veut dire qu'on prend l'argent du Cameroun sans concertation. Sans concertation au niveau de l'Assemblée nationale. Sans aucune concertation au niveau des politiques. Décider que bon voilà, on va donner 200 millions au sud. On va encore donner peut-être 500 millions. On va donner ceci, on va donner cela, on va consulter. Toujours dans les promesses. Voilà pourquoi j'ai dit... Nous devons sortir, même nos frères du sud, vous devez sortir dans ces promesses-là. Vous devez sortir dans ces promesses. Vous devez sortir. Parce que vous ne comprenez pas. Ils vous ont fait comprendre que le problème, c'est le problème anglophone au départ. Maintenant, c'est le problème Bamileke. De manière que pour vous, dit seulement que Paul Biya qui est du sud, le pouvoir, c'est notre pouvoir. Ça vous plaît tellement, pourtant, je ne vois même pas. Personne ne voit ce que vous gagnez dedans. Personne ne voit ce que vous gagnez dedans. Donc, juste le fait de dire que c'est nous qui sommes au pouvoir, ça vous fait tellement plaisir de dire cela. Et après, regardez-vous-même. Quand vous voyez, quand on monte, regardez par exemple, quand on peut suivre la chaîne d'Equinox. Parfois, je ne suis pas Equinox parce que j'ai même honte. J'ai honte de voir, quand je regarde seulement la mine des Camerounais, quand on monte par exemple la rue, là, je sens la souffrance. Je vois et quand on va alors dans les villages, je vois la souffrance sur le village des Camerounais, que c'est tout ça qui m'anime même de rester toujours dans ce combat et de ne pas bouger. Parce que je vois que les Camerounais souffrent. Ce n'est pas une histoire d'une tribu. Ce n'est pas une histoire d'une ethnie, ce n'est pas une histoire d'une région. C'est le Cameroun qui souffre.
c'est le Cameroun. Mais chaque région doit s'organiser. Chaque région doit s'organiser. Parce que ce n'est pas normal que nous-mêmes, nous ayons des élites, ce qu'on appelle chez nous. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Le direct commence à tanguer là. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, la famille, envoyez des cœurs. Je ne comprends pas pourquoi le direct commence à tanguer. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Envoyez des cœurs, surtout, encore un tour de partage, encore un tour de partage, parce que les cœurs, les cœurs, les cœurs, parce que les partages aussi empêchent que le direct ne soit coupé. Donc envoyez des cœurs, là le direct commence à être, je ne sais pas si c'est seulement signalé ou quoi que ce soit, mais ça commence à bugger. Donc envoyez des cœurs s'il vous plaît, c'est important pour stabiliser le direct, envoyez des cœurs et surtout continuez les partages parce que c'est important. Comme je le disais tantôt, le combat dans lequel nous sommes engagés, ce n'est pas un combat d'un village, ce n'est pas un combat d'une ethnie, ce n'est pas un combat d'une tribu, mais c'est le combat pour tout le Cameroun. Pourquoi est-ce que nous combattons pour que notre pays change? Pourquoi est-ce que nous encourageons chaque ethnie, chaque région du Cameroun à s'organiser? Pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce qu'il faut que les gens comprennent, il faut qu'on explique aux gens. Pourquoi est-ce que moi aujourd'hui je ne serai jamais contre une réunion par exemple des ressortissants Bassa, des ressortissants Sawa ou Douala, des ressortissants peut-être Mundan, des ressortissants Bamileke, Yaoundé, Eton, du Sud même s'ils veulent. Même s'ils veulent mettre par région, pourquoi est-ce que je ne serai jamais contre? Pourquoi est-ce que je vais toujours encourager? Parce que, comme on le dit chez nous, c'est en s'organisant à l'intérieur de la maison qu'on devient aussi plus fort à l'extérieur. Si à l'intérieur, nous sommes déjà divisés, à l'extérieur, comment est-ce qu'on va faire? Prenons par exemple le cas des Bamileke aujourd'hui. Quand nous disons aujourd'hui que nous allons organiser au mois de septembre 2022, au mois de juillet, 2022, dont la date même vous sera communiquée d'ici au début de l'année 2022, parce que nous sommes en train de travailler, quand nous, nous allons organiser le congrès Bamileke, il y a certaines personnes qui viennent nous poser la question, qu'est-ce que Momo fera partie? Est-ce que Jean Kuete fera partie? Est-ce que Ketcha Koutes? Est-ce que tous ces gens, tous ces Bamileke du RDPC feront partie? Est-ce que les différents chefs de village qui soutiennent le régime en place feront partie de ce congrès Bamileke? Voilà des questions qui nous reviennent tout le temps. Voilà des questions que j'ai écrites parce que les gens veulent comprendre à quoi va servir ce congrès Bamileke. Le congrès Bamileke va servir de mettre en place une fondation. Une fondation du peuple Bamileke concernant tous les aspects de la vie culturelle et de la vie politique. Et dans le congrès Bamileke cette année, la première année, dans l'année prochaine, la première édition de ce congrès sera consacrée comment trouver des voies et moyens pour faire en sorte que tous ces chefs traditionnels Bamileke puissent sortir des partis politiques et reprendre les honneurs qu'ils avaient dans le passé. Comment est-ce que nous allons procéder pour que tous ces chefs dans son ensemble, dans tous les villages de l'Ouest, puissent sortir de la politique. Avec leurs notables, ils ont le droit de voter comme tout citoyen, mais ils n'ont pas le droit en tant qu'un responsable du village, parce que nous sommes dans le multipartisme. Et dans le multipartisme, c'est un peu comme si, étant le responsable du village, un enfant du village peut... Deux enfants du village peuvent appartenir à deux partis politiques différents et les deux déposent même leur candidature pour peut-être la mairie du village. Alors le chef ne doit pas venir soutenir une personne et délaisser l'autre. C'est tout cela qui a apporté la division à l'intérieur de la maison Bamileke et à l'intérieur de plusieurs maisons des communautés au Cameroun. Donc c'est un projet sur lequel nous appelons même d'autres communautés à le copier et à voir comment est-ce qu'eux aussi de leur côté peuvent faire la même chose. Parce que c'est tout cela qui va permettre que nos différents chefs de village puissent reprendre la place qu'ils méritent. Personne n'est fier aujourd'hui de boycotter par exemple son chef de village. Mais nous le boycottons avec des raisons. Mais nous voulons plus continuer à le boycotter. Nous voulons aussi qu'ils comprennent pourquoi est-ce qu'on les boycotte. Parce que ce n'est pas normal qu'un chef de village, parce qu'il est du RDPC, ose interdire les manifestations d'un parti d'opposition, même si ce n'était pas un parti de même si le président de ce parti là du MSN n'était pas Bamileke, même si c'est le SDF, même si c'est le parti de Cabral Libi, on n'a pas le droit d'interdire un parti politique de manifester dans un village. Mais et parce que le chef, non seulement il est du RDPC, il est sénateur, il fait partie des propriétaires du Cameroun. Alors ils pensent qu'ils sont permis à tout faire. Mais nous pouvons, parce que c'est nous le peuple, c'est nous qui faisons la force, c'est nous qui faisons la force. Mais il suffit tout simplement qu'on arrive à s'entendre. Il suffit qu'on arrive à s'entendre. Nous sommes tellement divisés, tellement départagés,
que ces petites personnes qui ont pris notre pays en otage pensent qu'ils sont, ils sont capables de nous imposer n'importe quoi. Il va falloir que nous comprenions ensemble que nous devons nous battre. Nous devons nous battre ensemble. Je dis bien ensemble. Toutes les communautés. Mais ça n'empêche pas que chaque communauté puisse s'organiser. Je ne suis pas pour ceux qui disent qu'on doit oublier les communautés pour vivre, pour parler que du Cameroun. C'est faux. Le Cameroun, c'est un ensemble de communautés. On ne peut pas oublier ses origines. On ne peut pas oublier ses origines. Nous sommes d'abord... Moi, je suis d'abord Bamileke avant d'être Camerounais. Je suis d'abord Bamileke avant d'être Camerounais. Et quand la République, quand les lois de la République sont arrivées, vous voyez bien que les lois de la République n'ont pas interdit les coutumes. Les lois de la République n'ont pas interdit les coutumes. Et si nous ne nous battons pas pour maintenir cet héritage culturel, ne soyez pas surpris demain que ces gens sans cœur qui sont en train de nous voler nous imposent demain que même nos coutumes là, on ne doit même plus le faire. Hein. Que cela ne vous surprenne pas. Parce que les choses avancent. Que ça ne vous surprenne pas. Et ce jour-là, peut-être que les gens vont commencer à ouvrir les yeux. Parce que ces gens ont vendu leurs âmes au diable. Ils ne croient même plus. C'est en quoi ils sont même dedans. Ils sont là uniquement, ils ne savent plus par où ils partent. Parce que sinon, posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'un seul ministre va voler des milliards et continuer à s'accrocher? Pourquoi est-ce que Paul Biya, qui nous a ruinés depuis plus de 60 ans aujourd'hui, qui est vraiment à la tête du Cameroun? Parce qu'entre le moment qu'il a travaillé à la présidence, le moment qu'il était premier ministre, le moment qu'il est devenu président, jusqu'aujourd'hui, quand on cumule tout ça, c'est plus de 60 ans. Il a passé toute sa vie à la présidence de la République. Pourquoi est-ce que ce même Paul Biya est toujours en train de s'accrocher? Qu'est-ce qu'il peut encore apporter aujourd'hui au Cameroun? Qu'est-ce que ce Paul Biya peut encore nous apporter aujourd'hui au Cameroun? Donc, voilà des choses sur lesquelles nous allons être capables de nous poser comme question. Et c'est pour cela que, comme je le dis toujours, un combat doit avoir une base. On ne se lève pas un matin. Le président Kamto, par exemple, ne s'est pas levé un matin tout simplement pour dire que je vais être président de la République. Non. Il a d'abord travaillé un programme. Il a travaillé un projet. Il a étudié tous les aspects du projet et il s'est dit que, bon, voilà, il n'était pas seul, donc lui et son équipe, donc le MRC. Ils ont travaillé ensemble. Et voilà pourquoi ils ont proposé ce projet au peuple. C'est la même chose comme dans le combat. Dans le combat, ils ne vont pas venir tirer sur la stratégie du MRC sans toutefois la stratégie du président Kamto, sans pour autant proposer une autre stratégie. Proposer les moyens. Comment est-ce que nous allons faire pour atteindre cet objectif? C'est un peu pour cela que je viens vous parler ici du congrès, par exemple, Bamileke. C'est un projet qui va permettre aux Bamileke de comprendre pourquoi ils doivent se réunir. Il faut d'abord commencer par une première phase d'explication. Et après, nous allons entrer dans la deuxième phase qui sera la deuxième phase d'organisation. Et après, ça sera l'effectivité. Donc, c'est un travail qui va partir en plusieurs étapes. Mais nous allons réussir. Mais nous ne sommes plus là parce que je continue toujours à le dire. Le mouvement des Bamileke, nous ne sommes pas là pour nous excuser. Nous ne sommes pas là pour demander pardon à qui que ce soit. Nous ne sommes pas là pour, je ne sais pas moi, nous ne sommes pas là pour ça. Bonsoir Mao Ali Chamao. Voilà une bonne question. Quand Mao Ali Chamao me dit, il gère horreur du repli identitaire. Voilà exactement les mots que les pontes du régime apportent pour diluer le message que, que le peuple est en train de comprendre. Ce que nous faisons. En parlant des Bamileke, en parlant des Aoussa, en parlant des Mundan, en parlant des Bassa, des Beti, des Douala, des Sawa, des Mbo, ainsi de suite. Ce n'est pas un repli identitaire. Tu vas retirer l'identité de quelqu'un, tu vas retirer l'identité de quelqu'un à qui au Cameroun? Aujourd'hui, tu vas retirer l'identité à qui? Franchement. Est-ce que tu peux, si tu veux, tu peux aller interviewer même n'importe quelle personne au Cameroun. Tu dis que tu viens d'où, il va dire que je suis Bassa, je suis Douala. Je suis Eondo, je suis Bazou, je suis Baranté, je suis Baham, il va te le dire instantanément parce que même dans l'acte de naissance au Cameroun, ils ont écrit ton village. Donc tu vas venir me dire aujourd'hui que le fait de dire que chaque communauté doit s'organiser, c'est un repli identitaire. Non, Mao. Non, et voilà là où nous tombons vraiment dans le piège. Ce n'est pas un repli identitaire, c'est faux. Ce n'est pas un repli identitaire. Si c'est un repli identitaire, ça veut dire aussi que l'identité nationale même, ça veut dire que le fait qu'on se retrouve à l'étranger,
et que chacun essaye un peu de vouloir vivre peut-être dans la, avec la communauté, avec sa communauté. Les Camerounais sont régulièrement entre eux, les Camerounais. Ça veut dire que c'est aussi un repli identitaire quand nous sommes à l'étranger. Il faut donc qu'on arrive, on parte peut-être avec les Maliens, les Sénégalais, et les Ceci, ou bien les Français, les Américains. Il faut donc que ça se fasse. On est dans l'obligation, je le dis encore, on est dans l'obligation parce que le monde est fait ainsi. Il ne faut pas qu'on pense qu'on peut aller contre la nature. On ne peut pas aller contre la nature, c'est faux. Quand tu arrives dans un pays, la première chose que tu demandes, la première personne que tu vas voir, c'est que les, bonsoir, monsieur, bon, il te dit bonsoir. Excusez-moi, est-ce que vous savez ici où on peut retrouver, où les Camerounais se regroupent souvent, où est-ce que je peux voir les Camerounais? Parce que c'est entre tes frères que tu te sens le plus à l'aise quand tu es à l'étranger. Et quand maintenant tu es dans le pays, pourquoi est-ce qu'il y a les réunions, comment dire que les réunions, les foyers même des différentes ethnies un peu éparpillées partout au Cameroun? Pourquoi est-ce qu'il y a les foyers? Pourquoi ne pas demander une fois de dissoudre tous ces foyers, de dissoudre toutes ces réunions culturelles? Parce que si on dissout toutes ces réunions culturelles, on dissout la culture camerounaise. Parce que le Cameroun même n'a pas une culture. Il n'y a pas une culture qu'on appelle la culture camerounaise. Mais il y a les cultures au Cameroun. Il y a des cultures au Cameroun parce que le Cameroun c'est un ensemble de peuples. Si on te dit que quelle est la culture camerounaise, tu vas me dire que la culture camerounaise c'est quoi? Explique-moi Mao, quelle est la culture camerounaise? Si tu sais ce que c'est que si, donne-moi un exemple d'une culture qu'on appelle une culture camerounaise. Il n'y a pas de culture camerounaise. Il y a le Ngondo qui est le Sawa. Il y a les dents, il y a aussi les cultures chez les Mundans, il y a la culture chez les Pygmées, il y a la culture chez les Bamileke, il y a la culture chez les Bassa, il y a la culture chez les Boulou, chez les Eton, chez les... Et c'est un ensemble de tout cela qu'on appelle les cultures qui forment le Cameroun. Et tu vas venir aujourd'hui nous dire que l'effet de s'organiser en tant que ethnie ou en tant que tribu est un repli identitaire. Pourtant, le Cameroun même n'a pas une identité. Le Cameroun a plusieurs identités. Le Cameroun même n'a pas une identité. Il n'y a pas une identité qu'on dit identité camerounaise. Il n'y en a pas. On ne parle pas de la carte d'identité. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une identité qu'on dit identité camerounaise. Quelqu'un ne passe pas se dire que je suis camerounais parce qu'il n'y a même pas d'abord une langue qu'on dit la langue camerounaise. Ça n'existe même pas. Et même si on mettait une langue en place, on se obligé seulement un peu moins qu'on dit que le français. Le français, c'est la langue de Molière. Et maintenant, en France, les gens, les villages, les régions ont leur propre langue. Ils ont leur propre langue. Donc même s'il y avait une langue qu'on appelait le camerounais, par exemple, ça ne voulait pas pour autant dire, même en France, le français n'est pas leur langue. Ils te disaient que le français, ce n'est pas leur langue. Le français, ce n'est pas leur langue. Ils te le disent clairement que le français n'est pas leur langue. C'est la langue de Molière. On les a forcés à apprendre le français. Et c'est la raison pour laquelle il y a même beaucoup de Français qui ne savent même pas parler français. Il y a beaucoup de Français qui ne savent même pas écrire le français. Ils sont nombreux. C'est pour ça qu'on dit que l'illettrisme même en France est très développé. Malgré tous les efforts qu'ils essayent de faire, il y a beaucoup de Français qui ne parlent pas français, qui n'écrivent pas français. Donc il ne faudrait pas qu'on arrive au Cameroun et qu'on essaye de tromper les Camerounais comme on a tout fait depuis des années. Aujourd'hui, nous avons une grande partie des Camerounais qui sont à l'étranger. Nous avons une grande partie des Camerounais qui sont à l'étranger. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qu'on voit là-bas, des choses qu'on venait seulement nous dire au Cameroun. On venait nous mentir. Mais maintenant, nous vivons sur place. Nous connaissons comment ça se passe. Aujourd'hui, Macron a validé. Donc c'est l'Assemblée nationale française a voté une loi qui permet aux différents villages qui souhaitent apprendre leur dialecte à l'école d'apprendre leur dialecte. Donc ils apprennent leur dialecte à l'école ici. Mais chez nous, on veut plutôt que les gens oublient leur dialecte et se mettent à parler uniquement le français ou l'anglais. Donc on veut qu'on oublie notre dialecte et on parle uniquement le français ou l'anglais. Quand on va dire que non, il faudrait qu'on apprenne notre dialecte. Peut-être dans chaque région, dans chaque village, qu'on apprenne aux enfants du village et tout, et qu'on apprenne cela à l'école, vous allez dire que c'est un repli identitaire. Parce que nous allons tous trouver des gros mots que les Français viennent avec pour essayer de nous tromper. Repli identitaire, est-ce qu'il y a ça dans notre patois? Il y a ça dans notre langue? Est-ce qu'il y a ça dans notre langue, repli identitaire là? Il y a ça dans notre langue? Il y a ça, ça existe. Écrivez même en votre langue un peu ce qu'on appelle repli identitaire, je comprends aussi. Et dites-moi ce qu'on appelle repli identitaire. En votre langue, je comprends aussi, ça existe même. Ça n'existe même pas. Ça n'existe. Donc vous jugez que non, je ne suis plus moi, je suis plus moi Bamileke. Hein? Parce qu'il faut que j'apprécie quelqu'un. Là, vous avez vraiment tapé pour tous les gars. Et c'est pour cela que le régime nous a amenés là-dedans. Ils nous ont amenés là parce qu'ils savent que c'est un combat qui est long. On va passer le temps à se cogner la tête. Entre temps, eux, ce temps-là, ils vont gagner le temps-là maintenant à se maintenir au pouvoir. Ils le savent très bien. Nous amener vers le chemin du tribalisme, ils le font exprès. Mais voir des gens comme moi qui vais venir, par exemple, comme le mouvement que nous mettons en place, comme le congrès de Bamileke que nous sommes en train d'organiser,
Vois comment nous sommes en même temps en train d'encourager d'autres ennemis de faire pareil comme nous, ça les fait mal. Parce qu'ils voulaient qu'on soit de Jacques, qu'on va dire que Bamileke, Bamileke, insulter les autres. Mais comme nous ne sommes pas là pour insulter une tribu, nous ne sommes pas là pour insulter une ennemie, nous ne sommes pas là pour insulter un village ou un peuple. Nous sommes là pour reconnaître l'existence de tous les peuples du 237 sur le territoire du 237, les 475 000 km² du 237. Voilà notre rôle. Voilà notre rôle. Nous sommes là pour encourager que le travail que nous faisons de notre côté chez les Bamileke, que ce même travail soit aussi fait du côté des Ekans, du côté des Bassa, du côté des Sawa, du côté des Mbo, du côté. Nous sommes là pour, du côté des Mundans, du côté des Aoussa, nous sommes là pour encourager que ce même travail soit fait et que les différentes communautés puissent se retrouver. Et à partir de ce moment, ces communautés pourront maintenant discuter entre elles. Aujourd'hui, quand on dit qu'il faut un dialogue inclusif au Cameroun, on va dialoguer avec qui? Parce que quand on veut dialoguer, si on dit qu'on prend que les chefs de village, tous les chefs de village là sont du RDPC. Ça veut dire que si on parle que pour voter quelque chose, c'est la majorité qui est du RDPC qui va gagner. Si on dit qu'on prend que les responsables religieux, tous les responsables religieux parlent que pour le RDPC, à majorité. Donc maintenant, on fait comment? Si nous-mêmes, en tant que la société civile, en tant que le peuple en lui-même, nous n'arrivons pas à nous organiser. Si on dit qu'il faut dialoguer qu'avec les partis politiques, la majorité des partis politiques sont les partis du RDPC et les partis satellites du RDPC. Vous voyez que le dialogue au Cameroun est très difficile d'obtenir un dialogue sincère. Tous ceux qui se lèvent contre le RDPC sont taxés de ceux qui veulent diviser le Cameroun, de ceux qui veulent tuer les institutions, de ceux qui veulent la mort de Paul Biya. Comme Paul Biya est devenu le Dieu, il ne va jamais mourir. Donc vous voyez que tous ceux qui s'élèvent, soit ils sont torturés, ils sont arrêtés. Ces gens-là même qui pratiquent le tribalisme. Regardez, je vous dis une chose. Quand nous allons nous lever pour dire que les artistes, les ceci, les cela au Cameroun, bien, même pas les artistes, parlons même seulement de nos frères Sardina, parce que c'est nos frères. Parlons de nos frères Sardina. Dites-moi, nous avons les événements qui sont passés au Cameroun. Nous avons Garbou. Nous avons Garbou. À Garbou, on a tué les enfants. Dites-moi un Sardina qui s'est levé pour s'indigner. Un seul Sardina qui s'est levé pour s'indigner par rapport aux morts de Garbou, qui étaient des innocents. Je ne parle pas des Zambaboy, hein, je ne parle pas moi des séparatistes qui prennent l'arme et qui avaient l'arme, mais je parle bien des civils qui ont été tués à Garbou. Dites-moi un seul Sardina, un seul qui s'est levé pour s'indigner. Il y a eu la mort de bébé Martha qui s'est passé le 20 mai. Le 20 mai, je crois que c'était en 2020, le 20 mai. Dites-moi un seul Sardina qui s'est indigné concernant la mort de bébé Marc. Ça s'est passé, c'était à Mouyoka, un truc comme ça. Dites-moi un seul Sardina qui s'est levé et s'est indigné. Voilà la mort de bébé Caroline. Dites-moi le Sardina qui s'est levé. Mais les Sardina vont se lever parce qu'on a tué un militaire. La population a tapé un militaire. Tous les Sardinas vont se lever pour parler. Il a tapé un militaire. Mais un militaire que la population tape parce qu'il a assassiné un enfant. Vous ne voyez pas ce que le militaire lui-même a fait. Vous ne vous êtes jamais indigné. Mais quand le Bamileke, le Bamileke, celui que vous appelez les frères du village, qui se battent pour un Cameroun, que la guerre anglophone, nous on n'a rien à voir même dans ça. On peut même dire qu'on ne parle même plus de cette guerre qui se passe là-bas. Mais nous parlons parce que nous sommes conscients que c'est du Cameroun que nous parlons. Nous ne sommes pas là pour soutenir un côté et laisser un autre. Nous sommes là pour demander qu'il y ait un dialogue entre tous les enfants du Cameroun. Mais vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas que ces gens-là, leur rôle, c'est de nous diviser. Leur rôle, c'est de nous diviser. Et je vais vous dire une chose. Ceux qui encouragent, je dis bien, ceux qui encouragent ce qui est en train de se passer, que ce soit du côté des Sardinards, que ce soit du côté des combattants, il y en a ceux qui jouent un rôle trouble. Il y a ceux qui sont manipulés parce qu'il y a certains qui jouent un rôle trouble. Et vous ne comprenez pas. Le régime de Paul Biya aujourd'hui a encore une crédibilité au niveau de la communauté internationale à cause de cette guerre. Hier, c'était Boko Haram. Boko Haram s'est calmé. Aujourd'hui, c'est cette guerre qui fait en sorte que la communauté internationale donne encore un petit crédit à Paul Biya. Comprenez très bien. Donc, quand vous venez nous dire que vous êtes fiers quand les anglophones ont tué les militaires, ça arrange Paul Biya parce que c'est tous ces dossiers-là que Paul Biya prend pour dire que regarde comment les terroristes-là sont en train de tuer les militaires. Vous ne comprenez pas quoi. Quand vous venez dire que, voilà, les anglophones, on a tué 10 militaires, c'est bien, on a tué 20 militaires. Mais vous ne comprenez pas que vous jouez au jeu exactement. Paul Biya sacrifie ses enfants-là pour se maintenir au pouvoir.
Parce que ces enfants, Paul Biya sacrifie ses enfants pour se maintenir au pouvoir. Voilà ce que vous ne comprenez pas. C'est pour cela que je vous dis que la meilleure manière de faire partie Paul Biya ou de faire en sorte que la communauté internationale puisse comprendre le jeu de Paul Biya, c'est de dénoncer ce qui est en train de se passer des deux côtés, sans pour autant venir dire que on félicite, on fait ceci, on fait ceci. Regardez seulement le fait que certains de nos frères, je pense que c'était par erreur, mais ils insistent tout dans leurs bêtises, malgré qu'ils ont arrêté cela. Par erreur, ils étaient partis qu'on apporte le soutien où c'était à Phil Marshall. Vous voyez comment les Sardinas ont pris ce petit bout de vidéo de moins d'une minute et ils ont passé le temps à répéter cela dans les chaînes de télévision, répéter, répéter, jusqu'à aujourd'hui. Quand nous, on apporte le soutien, on dit que ça, c'est les armes que vous avez payées. Pourtant, ils savent bien qu'on n'a jamais acheté aucune arme. Aucune arme, on a jamais, ils le savent. Mais comme nous sommes dans une guerre de communication, nous devons être capables de savoir ce que nous parlons, comment nous le parlons et dans quel but nous le parlons. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui manipulent les autres indirectement, mais vous ne comprenez pas. Vous n'allez jamais voir sur mes pages. Je dis, mais aucune... Regardez bien, vous allez voir. Moi, je ne partage jamais le fait qu'on dise que les militaires sont morts. Je ne suis pas content parce qu'un militaire qui meurt, c'est un Camerounais qui meurt. C'est un Camerounais qui meurt. Je ne partage jamais. Je ne partage jamais ça. Regardez bien que je ne partage pas. Je ne suis pas content. Je ne partage pas. Parce que je me bats pour que cette guerre s'arrête. Je me bats pour que cette guerre s'arrête. Voilà mon premier objectif. Il faut que la guerre s'arrête. Il faut qu'on se retrouve autour d'une table. Et pour se retrouver autour d'une table, le moment venu, il va falloir qu'on soit organisé. Et pour être organisé, il va falloir que les communautés, parce que le Cameroun, c'est un ensemble de communautés, vu que nos chefs de village, vu que nos rois, vu que nos responsables religieux, on ne peut pas compter sur eux. Il va falloir que nous-mêmes, en tant que la société civile, en tant que la population, que nous soyons organisés, parce que c'est entre nous que nous allons discuter. C'est entre nous que nous allons discuter. Voilà le problème qu'il y a. Voilà le problème qu'il y a. Non, Mao, on n'a pas dit que tu n'es pas Camerounais. On n'a jamais dit à quelqu'un qui n'est pas Camerounais. Mais que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu appartiens à une communauté. Que ça te plaise ou pas, est-ce qu'on ne demande pas ton avis? Est-ce qu'on demande ton avis? On ne demande pas ton avis. C'est comme ça, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas toi. S'il fallait peut-être choisir, tu aurais choisi peut-être d'être toi chinois. Comme tu es le chinois noir. Tu aurais peut-être choisi d'être chinois. Mais comme on ne demande pas ton avis, tu vas faire comment? Tu ne peux rien faire. C'est comme ça. C'est la vie. On est obligé d'accepter. Là où nous sommes dans l'obligation d'accepter ce que nous sommes. Quelqu'un ne doit pas nier ce qu'il est. Parce que tu es cela. Tu es cela. Que ça te plaise ou pas, tu es cela. On ne demande pas que, est-ce que tu es Bassa, est-ce que tu es... Qui te pose même la question? Qui a même le temps de te poser la question? Les Camerounais, seulement dans ton accent même que tu parles, le Camerounais sait déjà que tu sors de telle région. Juste ton accent. On sait la région que tu viens. Pose-toi la question, pourquoi à partir de ton accent, on connaît déjà la région où tu viens? Pose-toi la question, pourquoi à partir de ton accent, on connaît déjà la région où tu sors? Donc tu ne peux pas venir aujourd'hui me dire que je suis Camerounais, un point. Donc, demain on peut changer le nom du Cameroun, tu vas dire quoi? Il y a les pays qui ont changé les noms, non? Demain, on peut décider, parce que c'est nous qui décidons. Demain, on peut décider qu'on change même le nom du Cameroun. On peut décider ensemble qu'on change le nom. Une fois qu'on va se réunir, on peut décider que, bon, voilà, le nom Cameroun, là, c'est un nom que c'est, peut-être c'est les Français, ça vient des Portugais, mais les Français nous ont... C'est un nom peut-être qui nous rappelle les tueries, les morts, les cécés. Trouvons un autre nom et tu vas voir, on peut changer le nom du Cameroun. On peut changer le nom. On peut changer le nom du Cameroun. Donc, c'est pour cela que ne pense pas que le fait de dire que je suis Camerounais, un point de nom. Il y a les pays qui ont changé de nom. Le Congo, avant, c'était quoi? Avant, on dit que c'était le Congo. On n'était même pas encore né. Après, quand nous sommes nés, on a aussi visité le Zaï. Moi, j'ai grandi, on parlait du Zaï. Aujourd'hui, on parle encore du Congo. Donc, tu vois que ça change de nom. Mais est-ce que les Congolais, est-ce qu'ils changent d'origine? Ils ne changent pas d'origine. Malgré qu'on change le nom de leur pays, ils ne changent pas d'origine. Donc tu es originaire d'un endroit, d'un territoire, d'un bout de terrain, d'un bout de territoire au 237. Et tu viens de quelque part, parce que nul ne vient du ciel directement. Chacun vient de quelque part. Donc nous sortons de quelque part. Comment est-ce que les Babylonais sortent de l'Égypte? Donc d'autres régions sortent de telle place. Chacun se réunit sur le golfe de Guinée où aujourd'hui c'est le Cameroun. Mais nous sommes sortis avec nos origines, avec notre façon de vivre, avec notre culture. Ce n'est pas au Cameroun qu'on est venu apprendre la culture. Nous sommes sortis de quelque part avec cette culture-là. Faites encore un tour de partage, la famille. Faites encore un tour de partage. Il dit merci. Nous sommes déjà quand même à plus de 200 partages. Donc, c'est super important et super intéressant. Nous allons maintenant aller dans la deuxième partie, la dernière partie. Les Bamileke d'abord du RDPC. Parce que j'ai un peu coupé très vite fait les Bamileke du RDPC. Nous avons un problème parce que, comme je l'ai dit tantôt, faites encore un tour de partage, la famille. Faites un petit tour de partage. Faites un petit, surtout les cœurs. Je sens que c'est tellement intéressant que vous avez oublié même d'envoyer les cœurs. Envoyez des cœurs, la famille, envoyez des cœurs.
Quand on n'envoyait pas des cœurs, parfois on oublie comme ça, et une fois, on fait ses bacs, c'est coupé. Et vous savez que quand un direct est coupé, quel qu'en soit, même si on revient, ce n'est plus le même sucre. Ce n'est plus le même sucre, ce n'est plus le même sucre. Faites encore un tour de partage, la famille, nous sommes à 233 partages, faites encore un tour de partage, c'est important, faites un tour de partage. Et tout, nous sommes à près de 90 personnes, voilà, 235, ça avance, ça avance. Merci à ceux qui viennent de partager, donc faites encore un tour de partage, même si c'est dans les mêmes groupes, même si c'est sur les mêmes pages, n'hésitez pas à partager. Merci, merci Bernadette, merci. Donc continuez, 239 partages, donc c'est déjà bon, ça avance. Donc comme je vous le disais tantôt, les Bamileke du RDPC, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai posé la question à savoir, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons vraiment, nous en tant que Bamileke, est-ce que nous pouvons vraiment être fiers? Est-ce que nous pouvons être fiers de nos frères qui sont du RDPC? Est-ce que nous pouvons être fiers? Je pense que non. Dans le contexte du Cameroun, je pense que les Bamileke ne sont pas fiers de ceux qui sont du RDPC. Pas parce que les Bamileke auraient aimé que tous les Bamileke soient peut-être d'un seul parti, non. Mais parce que les Bamileke auront aimé que le Bamileke, quel qu'en soit le parti où il se trouve, ne doit pas oublier qu'il est d'abord un guerrier. Il est d'abord un guerrier et il se bat pour la vérité. Et il se bat pour la majorité de ceux qui n'ont pas la force de se battre comme lui. S'il a la chance d'être, par exemple, dans un parti comme le parti au pouvoir dans un pays, au Cameroun, quel qu'en soit le parti qui va arriver au pouvoir, le Bamileke qui va faire partie de ce pouvoir-là doit toujours penser au peuple 237. Il doit toujours penser au peuple 237. Il doit toujours penser de faire en sorte que son nom soit écrit dans les marbres après son passage dans un gouvernement. Mais aujourd'hui, dites-moi aujourd'hui, tous les Bamileke qui sont succédés dans le parti au pouvoir depuis Aïdjo jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous pouvons être fiers? Nous ne pouvons pas être fiers. C'est pour cela que nous ne pouvons pas être fiers. C'est des raisons pour lesquelles nous, aujourd'hui, nous les combattons. Nous combattons ces gens. Nous les combattons parce que nous avons compris une seule chose, qu'ils ne pensent qu'à eux et à leur famille, uniquement leur famille. Uniquement. Voilà un point d'exemple de Jean de Dieu Momo. Il est entré au gouvernement. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait entrer sa fille à l'ENAM. Est-ce qu'il s'est posé la question qu'il y a d'autres Bamileke que depuis des années, les enfants n'arrivent pas à passer à l'ENAM parce qu'ils ne connaissent personne? Non. Alors une fois qu'il a fait passer son enfant à l'ENAM, pour lui c'est bon. Il est déjà bien. Il n'y a pas de problème. Allez regarder les autres, que ce soit les différents chefs de village. Tout ce qui les intéresse, c'est les 300 000 que le régime leur donne chaque mois. Le reste, ils n'en ont rien à foutre. Ceux qui sont sénateurs, ceux qui sont députés, tout ce qui les intéresse, c'est les indemnités qu'ils touchent dans le gouvernement. Le reste, ça ne les intéresse pas. Ils ne se posent même pas la question de savoir le peuple vit comment, le peuple vit de quoi. Ils n'ont pas honte, comme on dit, les nés avant la honte. Comme tu dis, ceux qui sont du RDPC ne sont-ils pas libres de leur opinion, leur choix? Voilà le discours qui ne tient pas, mon cher. Et c'est ce que, je ne sais pas si tu n'as pas compris, je ne sais pas à qui tu réponds, mais je l'ai dit, que chacun est libre d'être dans n'importe quel parti qu'il veut. Chacun est libre, mais chacun doit porter en lui en tant que Bamileke d'abord, parce que le Bamileke c'est un peuple de guerriers. Nous ne devons pas être des mauviettes. Le Bamileke ne doit pas passer en second rang. Le Bamileke ne doit pas être celui-là qui doit se coucher, on doit marcher sur lui. Nos parents ne sont jamais couchés, sinon c'est que l'esclavage aurait fait rage dans notre pays, dans le pays bamileke. Nos parents, nos grands-parents sont battus. Ils se sont battus pour que notre peuple soit un peuple de guerriers. Mais aujourd'hui, nous avons tous ces bamileke qu'on appelle les frélatés, que je n'aime même pas utiliser ce mot. Ceux-là qui pensent que c'est le fait de se coucher, se courber, baisser la tête, qui va faire en sorte qu'il sera respecté. Ceux qui ne comprennent pas qu'il faut être ferme. Il faut être ferme. Il faut avoir une conviction. Il faut penser à son peuple pour faire entendre sa voix. Il faut penser à son peuple. Et pour penser à son peuple, il faut porter l'aspiration du peuple. Voir la souffrance du peuple. Est-ce que le peuple bamileke aujourd'hui ne souffre pas? Est-ce que le peuple bamileke ne souffre pas? Est-ce que le peuple bamileke ne souffre pas? Bernadette nous dit, bonjour Collins, la diaspora africaine et camerounaise doivent faire leur part de lutte. Elles ont rendez-vous en 2022 en France pour choisir qui viendra choisir le futur président du Cameroun. Leur vote sera capital. Donc votez pour le diable que vous connaissez au lieu de l'ami qui garde son couteau au dos et dont le 237 est la cible. Bon, je pense que ton message est assez clair, mais
il y a beaucoup d'ambiguïté dans ton message en termes de compréhension. Parce que moi, je le dis toujours, il y a des mots que le colon et les sardinats ont longtemps utilisés. Vaut mieux le diable qu'on connaît en nous parlant de Paul Biya. Ça veut dire que le sardinat sait que Paul Biya, c'est un diable. Mais il dit que vaut mieux Paul Biya qui est un diable que celui qu'on ne connaît pas. Bonsoir, mamie. Bonsoir, mamie. Bonsoir. Donc, que celui qu'on ne connaît pas. Et c'est très dangereux parce que l'alternance au sommet de l'État d'un pays a fait en sorte de donner le rêve. Depuis que Paul Biya est au pouvoir, on le connaît, c'est le diable. Il a fait quoi? Donc, il faut qu'on reste avec le diable qu'on connaît que de prendre le risque d'être avec peut-être l'ange. Ou même le démon, même si c'est le démon, on s'en fout. Parce qu'à partir du moment où il y aura l'alternance, une fois, personne ne pourra plus se maintenir au pouvoir tant que le peuple n'accepte pas. Donc, ça veut dire que, après un mandat, si le peuple n'est plus d'accord, le peuple ne vote plus la même personne. Quel est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Donc, c'est pour cela que j'ai dit, il y a des discours que nous, Camerounais d'abord, dans l'ensemble, nous devons enlever de notre bouche. Il y a des discours que nous ne devons même plus parler. Il y a des discours que nous devons totalement effacer de notre vocabulaire quand nous sommes en public. Ces discours qui ont été portés par les sardinats, nous devons tout faire pour mettre ça de côté. Parce qu'aujourd'hui, les sardinats sont contents parce que nous avons passé le temps à courir derrière eux. Donc ça veut dire que c'est un peu comme c'est eux qui nous rythment. Le sardin dit qu'un Américain ne sera jamais président. Donc on passe le temps à discuter de ça, à parler, à conscientiser, à faire ceci. Entre temps, lui, il évolue ailleurs. Le Américain, le sardinat vient vous dire que c'est les frères du village. On passe le temps encore à parler, à parler, à parler. Entre temps, il est ailleurs. Donc c'est pour cela que j'ai dit, et j'ai dit à nos frères et nos sœurs, seule une organisation doit permettre, donc peut permettre en sorte que nous sortons, parce que dès que nous aurons mis en place de qui ne risque rien à rien la main, tu as raison, dès qu'on va mettre en place un comité, un bureau, comment on va appeler tout le monde, comment on va appeler des Bamilékés dans le monde entier, vous verrez que ça ne sera plus l'affaire d'une personne, ça sera l'affaire de plusieurs personnes qui vont s'asseoir et prendre. On aura un bureau de communication, on aura un bureau de relations avec les médias, on aura ceci, on aura tout. Donc, ce qui fait qu'on va fonctionner comme un gouvernement. Donc, ce qui fait qu'à partir de ce moment, dès qu'un message sera convenu, on va passer le message et on mettra les moyens. Parce qu'il est inadmissible que nous avons les moyens financiers. Nous avons de l'argent et nous sommes encore derrière en train de courir. Pourtant, on dit dans le monde, c'est celui qui a l'argent qui a le pouvoir. Mais si nous avons l'argent, nous avons le pouvoir. C'est parce qu'effectivement, nous avons plusieurs d'entre nous qui sont tout simplement les frélatés ou les infiltrés du régime, comme vous pouvez les appeler, ou ceux qui sont en train de nous tirer par l'arrière et qui nous prennent en disant qu'ils sont des élites. Maintenant, nous allons former une nouvelle classe des élites qui va représenter le vrai peuple bamiléké, qui va parler au nom des bamilékés, qui va apporter des projets pour les bamilékés, qui va discuter pour l'intérêt des bamilékés. Nous n'aurons plus ces élites-là qui viendront seulement au village nous donner le pain et la sardine, nous poser les sacs de riz par terre, on va se bagarrer dessus. Nous n'aurons plus des élites qui viendront nous tromper nos parents en disant que quand l'enfant passe le bac, demande-lui de venir à Yaoundé. Et l'enfant vient à Yaoundé, il met l'enfant dans les sectes où il détruit le derrière de l'enfant parce que le père au village et l'enfant veut s'en sortir en ville. Nous n'aurons plus toutes ces choses-là. Nous n'aurons plus ça. Nous aurons des élites qui vont s'asseoir et parler effectivement de comment. Donc, on peut rester en 2022. On commence à parler de l'horizon 2030 du pays bamiléké. Horizon 2030. Qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les projets qu'on va faire dans le domaine politique, dans le domaine culturel, dans le domaine social? Comment est-ce qu'on va s'organiser? Comment? On veut des élites qui doivent penser du futur du peuple bamiléké. Quelles sont les universités qu'on peut mettre dans notre village? Quelles sont les filières? Quelles sont ceci? Qu'est-ce qu'on va négocier au niveau politique concernant, par exemple, même les langues qu'on doit parler? Ça, c'est ce que les élites doivent discuter. C'est des choses sur lesquelles les élites doivent discuter. Est-ce qu'il nous faut un aéroport? Est-ce qu'il nous faut un port sec? Comme dit souvent notre grand frère du côté des États-Unis. Est-ce qu'il nous faut ceci? Est-ce qu'il nous faut des autoroutes? Est-ce qu'il nous faut cela? Est-ce qu'il nous faut mettre un axe qui va quitter de l'Ouest pour aller au Nigeria? Est-ce qu'il va falloir que nous renforcions la coopération économique et tout avec les pays qui sont frontaliers avec l'Ouest? C'est des choses sur lesquelles c'est les élites qui discutent et apportent ce projet maintenant auprès du gouvernement central et pour pouvoir implémenter cela. Voilà comment les choses se passent. On ne croise pas les bras et on attend que le RDPC va venir nous faire ci. Le RDPC... Non, les gars. Que nous, on fait quoi? Ou que l'État va faire ci. Nous, on fait quoi? Vous savez que nous sommes des spectateurs de l'État. Nous sommes des acteurs.
de la vie sociale, culturelle et politique. Nous sommes des acteurs. Donc c'est nous qui allons impulser. Ce n'est pas eux à Yaoundé qui doivent venir impulser. C'est nous qui allons impulser. Aujourd'hui, tous les projets, Famen Ndongo est parti au sud. Il a parlé qu'il donne 200 millions. Vous allez voir que personne ne doit plus parler. Hein. Personne ne doit plus parler des 200 millions là. Donc on va encore attendre pendant les élections commencer que mes familles nous voulaient 200 millions là sont où? Parce qu'ils sont déjà partis corrompre les chefs de village, donner un peu d'enveloppe, dire que non, il faut patienter, le chef de l'État vous suit, le chef de l'État est au courant, Paul Biya vous suit, non, il n'y a pas de problème, c'est que quand Paul Biya c'est ci. Et c'est comme cela que ils vont endormir, oui, demain faut. C'est comme cela qu'ils vont endormir le peuple. Parce qu'il n'y a pas, un contre-pouvoir du peuple. Il n'y a pas un contre-pouvoir du peuple capable d'être même là pour rappeler les objectifs du gouvernement vis-à-vis de leur communauté ou vis-à-vis de leur région. Ketcha Kouté s'est venu nous dire qu'il y a l'accident qui se passe au niveau de la vallée de Tchang. Elle apporte plutôt les marabouts pour faire les trucs au lieu qu'il faut agrandir les routes. Mais où sont les élites bamileke pour interpeller le gouvernement et dire, mais attendez, la route ne doit pas tuer comme ça tous les jours. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Mais parce que tous sont des sardinards. Ça ne les intéresse même pas. Tous sont des sardinards. Et vous dites qu'on va croiser les... Effectivement, comme le congrès juif. Ils sont reconnus dans tous les pays parce qu'ils ont pris le temps d'expliquer aux juifs, de se mettre... Mais les juifs même sont les ministres dans d'autres pays, non? Même en France, les juifs sont ministres, les juifs sont ceci, les juifs sont... Mais est-ce que ça empêche que quand il s'agit de parler de juifs, ils se retrouvent, ils parlent? Il parle de juifs et c'est pour cela que les intérêts juifs sont protégés dans tous les pays. Donc c'est pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas. Ce n'est pas que les Bamilékés ne sont là seulement. Non. Partout où le Bamiléké va se trouver, le Bamiléké doit se regrouper. Partout où les Bamilékés peuvent apporter un soutien à leurs frères, dans n'importe quel pays du monde, les Bamilékés doivent être capables de le faire. Parce que nous sommes partout. Il y a les Bamilékés même qui sont des avocats, des juges, de ceci dans plusieurs pays du monde. Qui sont même des préfets, des sous-préfets. Ils sont pleins partout, des maires, ils sont partout. Mais puisqu'on est départagé, tu peux être même dans cette région-là et que tu as besoin peut-être d'un soutien. Ou seulement d'une caution. Mais tu ne sais même pas comment aller voir ton frère. Mais pourtant, si le juif, non. Le juif même au Cameroun, s'il a un problème, il sait déjà que je m'en vais dans le cercle juif, je vais parler ça là-bas. Et dans le cercle, on va demander que qui sont ceux qui sont en contact avec peut-être un procureur au Cameroun ou bien avec Paul Biya même. Quelqu'un va directement sortir que non, moi je n'ai pas appelé Paul Biya. Le problème c'est quoi? On dit bon, contacte-le demain ou après. Vous discutez. Et c'est comme ça qu'il va aller expliquer le problème maintenant à la personne. Et tout de suite, on va débloquer son problème. Tu ne dois même pas savoir par comment son problème a été débloqué. Tout ce qui se passe ne se passe pas tout que le jour, il y a les choses qui se passent derrière. Mais le Bamiléké ne peut le faire. Mais nous sommes tellement divisés. Ils sont venus nous diviser. Ils nous ont divisés. Ils ont fait exprès. Donc maintenant, nous devenons un danger. Un danger parce que nous sommes en train de nous réunir. Nous sommes en train de nous réunir et c'est pour cela que nous sommes un danger. Il faut tout faire. Ils sont prêts à tout faire. Et ils dépensent des milliards, je vous le dis encore, pour nous détruire. Pour nous diviser. Ils dépensent des milliards. Mais nous pouvons contrecarrer cela seulement en mettant déjà en place une vraie organisation comme ce que nous sommes en train de faire. Rien que l'organisation va déjà permettre. Ça prendra du temps. C'est un travail de fond que nous allons faire. Mais ce travail de fond peut aller très rapidement en fonction de notre engagement. Donc tout dépend de nous. C'est à nous à savoir... Comment est-ce que nous allons nous engager? C'est à nous à savoir comment est-ce que nous allons impulser ça de manière rapide pour que les choses puissent se mettre en place. C'est à nous à savoir. Et je sais que nous avons cette force parce que nous avons soif. Nous avons soif de ce changement. Nous avons soif d'avoir des hommes et des femmes qui nous représentent réellement. Nous avons soif d'avoir des gens qui peuvent rester comme ça et nous sortir un message, un programme, un projet d'ensemble et mettre les moyens financiers pour accompagner ce projet-là sans être en train de se coucher. Nous avons les moyens et nous devons savoir comment utiliser ces moyens-là pour avoir le pouvoir. Donc c'est de cela il est question. Nous sommes capables de le faire et nous le ferons. Envoyez les cœurs, ceux qui envoient les têtes de moi, envoyez-moi son nom, je vais le bloquer. Vous savez que moi, les messages, quel qu'en soit le message, j'accepte, mais les têtes de mort sont faites exprès. C'est pour signaler ta page, donc envoyer des cœurs et surtout, identifiez-moi celui qui envoie la tête de mort parce que je ne le vois pas. Je vais le voir à la fin,
C'est à la fin du direct que je vais le voir. Donc, identifier celui qui envoie la tête de mort. Si vous pouvez le faire et vous m'envoyez directement, je peux le bloquer. J'ai un autre téléphone, donc je peux aller sur le téléphone et le bloquer. Donc, c'est très simple. Donc, je vais vous dire merci la famille. Merci parce que vous avez répondu présent. Plus de 260 partages, c'est énorme. C'est énorme. Dans plusieurs groupes, c'est énorme. Ça montre déjà l'enthousiasme que vous avez. Ça montre que le Bamileke d'aujourd'hui n'est plus le même Bamileke d'hier. Ça montre que le message est en train de passer petit à petit. Ça prendra peut-être un peu de temps pour que nous puissions vraiment expliquer aux gens. Mais ce que je peux vous dire, c'est que notre combat que nous sommes engagés, c'est un combat pour le changement au 237. Et c'est un combat qui est multiforme. C'est un combat multiforme. C'est pour cela que vous, aujourd'hui, même que ce soit le président, il va vous donner une initiative, ou juste demain, il va encore donner une autre initiative. Parce que le monde évolue. Donc, il a fallu du temps pour que nous comprenions que il faudrait aussi, dans ce même combat, l'organisation. Pas seulement des Bamileke, mais de tous les peuples. Pour permettre d'accompagner au mieux et en bien le combat pour le changement. Pour l'alternance. Donc, c'est pour cela que nous sommes dans l'obligation de tenir tous les bouts du combat et d'avancer ensemble avec tous les bouts du combat. Mais sans toutefois insulter ou dénigrer l'action d'un combattant ou d'une combattante ou d'un groupe de combattants ou d'un groupe de combattantes. Nous devons toujours nous apprécier, nous encourager, nous critiquer, c'est normal. Sans toutefois tomber dans la haine. Parce que nous sommes là pour nous battre, pour le manger ensemble. Pas seulement le vivre ensemble, mais le manger ensemble. Nous voulons voir tous les enfants du 237 vivre ensemble, manger ensemble. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Nous ne sommes pas là dans une division. Mais nous demandons en même temps que chaque communauté s'organise. Chaque communauté s'organise parce que nous étions désordonnés. Et c'est dans ce désordre, dans cette division, que le colon a profité pour nous infiltrer et prendre certaines élites pour les convaincre pour que ce soit ces mêmes élites qui soient nos bourreaux d'aujourd'hui. Parce qu'après le départ de Paul Biya, il y a beaucoup de nos frères, que ce soit Bamileke, que je ne sais pas effectivement s'ils auront le courage de rentrer dans leur propre village. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos frères que je ne pense pas qu'ils auront le courage de rentrer dans leur village. Parce qu'il y a la rage, il y a la colère, il y a la colère. Et dans la colère, nous, si nous sommes organisés, nous saurons trouver des messages de paix après le départ de Paul Biya pour faire en sorte de faire comprendre aux gens que nous sommes dans un nouvel air. Et nous devons plutôt penser à l'avenir. Nous devons cicatriser les plaies du passé et penser à l'avenir. Donc c'est important que l'organisation puisse se faire et que d'autres communautés prennent l'exemple sur la communauté Bamileke et fassent aussi et s'organisent aussi parce que c'est important. C'est important que chacun s'organise pour pouvoir être demain capable de s'asseoir autour d'une table. Quand on dit que voilà les représentants de Bamileke, voilà les représentants des Ekam, voilà les représentants des Bassa et ils s'asseyent sur une table, ils discutent vraiment pour un projet commun. Pour un vivre ensemble, pour un manger ensemble, et que toute cette communauté-là maintenant apporte des propositions au niveau de l'État pour que l'État puisse l'implémenter au niveau des députés qui seront dans toutes les communautés, pour que ces députés-là puissent débattre au niveau de l'Assemblée et pouvoir maintenant appliquer cela si la majorité gagne. La démocratie, nous devons essayer d'inventer notre propre démocratie sans copier sur la démocratie occidentale ou européenne. Parce que les Européens ne sont pas des Camerounais. Les Européens ne sont pas des Noirs. Les Européens ne sont pas des... n'est pas l'Afrique. L'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Nous avons tellement copié ce qui se passe ailleurs et nous n'avons pas pu adapter cela en fonction de nos différences. Nous avons plus de 250 ethnies. Donc, le vivre ensemble n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Mais c'est parce que nos parents avaient su s'organiser en communauté, qu'il y a eu des émissaires entre les villages qui partaient discuter avec d'autres villages pour qu'ils trouvent le terrain d'entente pour empêcher de se faire la guerre entre eux. Mais aujourd'hui, on est venu nous mélanger. Ils sont venus nous mélanger. Maintenant, personne ne sait même plus par où on sort. On est perdu. Le Cameroun est perdu. Et tant qu'on ne retrouve pas notre propre identité, tant qu'on ne retrouve pas ça, on va rester perdu. Donc, c'est la perdition. C'est parce que nous sommes perdus. Et il va falloir qu'on s'organise. Chacun de son côté doit s'organiser pour que nous puissions parler d'une seule voix et d'une même voix en discutant entre nous, en faisant un dialogue interethnique. On peut le faire, un dialogue interethnique. On ne doit pas seulement dire qu'il y a les représentants. Les chefs vont aller se voir sans concerter personne. On ne sait même pas ce qu'ils vont aller parler là-bas, rien du tout. Après, ils viennent nous prendre un communiqué où les chefs de l'Ouest ont décidé que, avant le jour de leur réunion, qui de la population était au courant? Personne. Personne n'était au courant.
Même un conseil municipal, le jour du conseil municipal, on affiche à la mairie. On informe la population de la ville qu'il y a un conseil municipal tel jour. Et celui qui veut, il peut venir participer. Celui qui veut, j'ai déjà assez parlé, Mao, et je reviendrai là-dessus. Je veux prendre la note sur ce que tu as dit. Je ne peux pas revenir dans le détail de tout ce que j'ai parlé, mais je reviendrai parler de comment est-ce que... Parce que je veux juste te dire un truc. On peut, parce que moi j'avais proposé ça même une seule fois, même je pense en 2017 quand je faisais encore, mais là, attends, je vais marquer. Mao a demandé quel genre de démocratie, donc, démocratie. J'avais parlé une fois de ça. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas imaginer, par exemple, un fédéralisme autour des royaumes ou des chefferies qui existent aux 237? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas imaginer cela? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'organiser déjà les royaumes qui sont là, parce que les royaumes existent, les royaumes sont organisés déjà. Nous reconnaissons tous les royaumes, les chefferies et tout. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas organiser, au lieu de dire, par exemple, un fédéralisme qui va peut-être dire que l'ouest, le sud-ouest, le nord-ouest, le littoral, et pourquoi ne pas organiser un fédéralisme qui va plutôt s'appuyer autour des chefferies ou des royaumes? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Parce que le fédéralisme, non. Déjà au Cameroun, on est déjà fédéral, hein, parce qu'on a plusieurs ethnies, plusieurs régions qui vont ensemble. Hein, c'est toujours une forme de fédéralisme. Mais le problème, c'est qu'on est fédéral entre nous, mais nous n'avons pas la capacité de prendre des décisions. Nous prenons les décisions uniquement dans notre propre village, parce que le chef peut dire qu'aujourd'hui, il y a telle chose au village, et puis les gens vont marcher comme il a demandé, parce qu'il y a un calendrier de chaque village. Il y a même le calendrier, il y a les jours. En patois, même chez nous, on a les jours de la semaine au village. On a les jours de la semaine. Pourquoi ne pas penser, parce que tout ça, c'est les pistes de réflexion, pourquoi ne pas penser sur un fédéralisme qui sera axé autour? Au lieu d'être un fédéralisme peut-être communautaire, mais ce soit peut-être un fédéralisme qui va... Parce que quand on dit communautaire, ça veut dire qu'on va prendre tous les Bamilékés en même temps pour former une seule communauté. On va prendre tous les Bamilékés, former une seule communauté. On va prendre les Bassa, former une seule communauté, ainsi de suite. Mais pourtant, à l'intérieur de la communauté Bamiléké, il y a plusieurs villages, il y a plusieurs traditions. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Il y a beaucoup de pistes de réflexion pour mettre en place. Mais pour le faire, il faut déjà qu'on arrive à s'entendre sur beaucoup de points. Il faut déjà qu'on arrive à nous organiser. Parce que si on n'est pas organisé, on ne pourra rien faire. Rien ne se fait dans le désordre. On n'obtient jamais la paix dans la guerre. C'est impossible. On n'obtient jamais la paix dans la guerre. Que les gens ne vous trompent pas. On n'obtient pas la paix dans la guerre. On obtient la paix après la guerre. Donc ça veut dire que quand on n'est plus en période de guerre, on est déjà entré dans une période stable. C'est à partir de ce moment maintenant qu'on commence à penser à la paix, à voir comment est-ce qu'on peut mettre les mécanismes pour obtenir la paix et la véritable paix. Aujourd'hui, nous avons tous les différents problèmes qui se passent chez nous. Et nous savons tous que les problèmes qui se passent chez nous, c'est une seule personne, un seul groupe, un seul parti politique, le RDPC, Paul Biya et son régime. Nous le savons tous. Nous le savons. Et que ce régime a fait en sorte, dans toutes les régions, que ce soit chez les anglophones, on a pris les anglophones, on a mis au pouvoir. Les anglophones, on ne pense même pas à leurs frères. Au contraire, ils sont même plus pour tuer même tous leurs frères du village. On a pris les Bamilékés, même chose, on a mis. On a pris les Haoussa, on a mis. On a pris les Bassa, on a mis. On a pris les Douala, on a mis. On a pris les enfants même du sud, des Bolova et tout. On a mis de Sangmélima, on a mis. Entre temps, ces gens-là ne pensent même pas du tout. Montrez-moi, personne ne pense à leur village. Personne. Et quand le village s'élève, on vient faire des promesses, on vient proposer l'argent. Pourtant, si le village était organisé, c'est que ce n'est pas le ministre qui est en train de vous tuer dans son régime, qui viendra même parler à votre place ou viendra vous organiser à votre place. Regardez, mais c'est déjà même une honte. C'est une honte que dans le peuple et quand, que ce soit celui-là même qui fait partie de ceux qui ont fait en sorte que vous soyez pauvres, que vous soyez des mendiants. Que ce soit lui qui vient vous demander que organisons-nous. Faisons une réunion. Mais c'est même déjà une honte. Et c'est pour ça que chez nous, les Bamilékés, on ne va même pas accepter que cela arrive. C'est nous-mêmes, nous les combattants. C'est nous, ceux qui sont en train de combattre ce régime, qui allons mettre en place cette organisation Bamiléké. C'est nous qui allons le faire. Parce que c'est nous qui avions notre façon de voir les choses. On dit, Mao, voilà pourquoi j'ai dit bien qu'il y a plusieurs pistes
Quand on dit la démocratie, il y a plusieurs façons de définir la démocratie. Tu peux aller maintenant le dictionnaire, tu verras qu'il y a plusieurs façons. Donc, on ne veut pas dire que la démocratie est la souveraineté. On dit que le Cameroun, c'est un État démocratique, mais on peut dire que le Cameroun est souverain. Nous ne sommes pas là pour parler des textes seulement parce que c'est écrit. Nous parlons de la réalité, ce qui est appliqué. Si aujourd'hui, ce que tu es en train de dire était appliqué, c'est que toi et moi, peut-être, on ne se connaît même pas. C'est qu'on est en train de vivre dans un pays qui est vraiment démocratique. Donc, c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on parle des mots, on parle des mots. Nous parlons de l'application des mots. Nous parlons de l'application et nous pouvons penser nous-mêmes la démocratie autrement. Il n'y a pas un copier-coller parce que le peuple européen n'est pas le peuple africain. Sortons ça de notre tête. Les Chinois, eux aussi, vivent leur forme de démocratie. Même si on va dire qu'ils sont dictateurs, la Chine est dictateur, et ceci, eux chez eux, ils savent qu'ils sont démocrates. Eux, ils savent comme ça et ils vivent comme ça chez eux. Que ça te plaît ou pas, ils vivent et ils vivent pour le peuple chinois. Aujourd'hui, on parle de la Chine qui est un grand pays au monde. Tout le monde a envie d'aller en Chine. Chacun veut travailler avec la Chine. La Chine décide même pour le monde. Mais aujourd'hui même, au Cameroun, en Afrique, on parle qu'il faut appeler Poutine. Il faut qu'on travaille Poutine. Beaucoup vont dire que Poutine n'est pas un pays la Russie n'est pas un pays démocratique. Mais d'autres vont dire que non, c'est encore mieux là-bas. Donc il faut savoir que chaque pays, chaque région, chaque continent peut définir la politique de sa propre manière. On n'est pas obligé de faire le copier-coller. Donc c'est pour cela que j'ai dit, nous sommes entrés trop dans ce que les Français sont venus nous imposer. Les Français nous ont colonisé jusqu'à l'esprit. Parce que quand je te vois écrire, Mao, je comprends que tu n'es pas français, seulement peut-être sur les papiers. Je ne sais pas si tu as les papiers français, mais même si tu as les papiers français, sache que tu es même déjà plus français que français, rien que seulement dans ta façon de penser et de réfléchir. Rien que seulement dans ta façon de penser et de réfléchir. Tu es déjà là que tu ne veux plus, tu ne veux plus appartenir à ta propre région. Pourtant, tu vis dans un pays où les gens réclament leur propre région. Le Breton dit qu'il est Breton. Le Corse dit qu'il est Corse. Le Marseillais dit qu'il est Marseillais. Le Sartois dit qu'il est de la Sarthe. Tous les Parisiens qui sont Parisiens. Partout, chacun essaie de réclamer son identité, l'identité de ses grands-parents. Mais on vit au Cameroun, on trouve des gens qui m'ont dit que non, on n'est plus nous Bamiléens. Il ne faut plus qu'on dise qu'on est Bamiléens, il faut qu'on dise qu'on est Camerounais. Mais je ne sais même pas, quand on parle comme ça, qu'est-ce qu'on ressent même au fond de soi? Tout parce qu'on veut plaire. C'est tout parce qu'on veut plaire, parce qu'il y a aussi une chose, hein. Il y a des combattants peut-être qui veulent plaire à tout le monde. Mais sachez que vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde. Vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde. Vous ne pouvez jamais plaire. Même si tu te déshabilles nu, disant que tu n'as rien fait, ceci monté. Les gens vont te dire que tu as même volé, tu as caché même dans tes noyaux. Ils vont dire que tu as m'avalé, comme ils ne peuvent pas avoir l'intérieur de ton ventre. Ils vont dire que tu as m'avalé. Donc il faut arrêter avec le fait des bénis, oui. Il faut arrêter de chercher à plaire aux gens. Il faut faire ce que tu sais que c'est bien pour toi, pour ta famille, pour ta communauté, pour ton village et pour ton pays. Comme ce que nous sommes en train de faire. Nous savons que le combat est bien pour nous. Nous nous battons maintenant pour que les choses changent chez nous au pays. Mais nous n'allons pas nous battre dans le vide. Nous essayons un peu de proposer. On a des gens qui ne proposent jamais rien, mais qui viennent critiquer tout. Mais qui ne proposent jamais rien. Voilà le défaut même du combat dans lequel nous sommes engagés. Parce qu'il y a plusieurs personnes, moins de petites propositions, ils sont en train de tirer dessus. Un changement dans la paix, on dit. Mais entre-temps, tu proposes quoi? Personne ne sait. Organisons-nous, peut-être en tant que Bamileke, on tire dessus. Tu proposes quoi? Personne ne sait. Organisons une marche. Tu viens tirer que non, c'est la marche du parti du MRC. Montez descendu. Tu proposes quoi? Rien du tout. Mais nous ne pouvons pas continuer comme cela. Nous ne pouvons plus continuer comme cela. Il faut que les gens comprennent que nous ne pouvons plus. Donc c'est important que nous comprenions une fois de plus que nous allons continuer notre combat. Et ceux qui seront là pour nous tirer vers l'arrière, nous serons dans l'obligation parfois de les dénoncer. Parce que vous ne pouvez pas passer tout votre temps à tirer le combat vers l'arrière et à penser que les gens ne voient pas. Les gens voient. Le combat, les Camerounais ont vraiment soif de ce changement. Les Camerounais ont soif de ce rassemblement. Les Camerounais ont soif de beaucoup de choses. S'il y a un truc, qu'il y a quelque chose qui ne vous intéresse pas, qui ne passe pas dans votre objectif ou dans votre ligne de mire, passez votre chemin comme un taxi plein que de venir distraire les gens. Retrouvons-nous sur des éléments qui nous concernent tous et que vous sentez vraiment que oui, là-bas, c'est notre élément. Partageons cela ensemble. Mais vous n'allez pas me voir aller critiquer, par exemple, la démarche de qui que ce soit. Comme je vous ai dit, moi, vous ne m'avez jamais vu aller critiquer le truc des écans. Je ne critique pas. Ça ne m'intéresse pas. Je passe moi comme un taxi plein. Ça ne m'intéresse pas. Je les laisse faire les choses. S'ils sont là, par exemple, pour promouvoir le tribalisme ou promouvoir la guerre, à ce moment-là, je peux venir parler. Là, je peux parler. Parce qu'on fait la promotion de la guerre qui n'est pas bien. On fait la promotion du tribalisme qui n'est pas bien. Mais par contre, si les gens veulent s'organiser entre eux, je ne trouve pas pourquoi je vais aller empêcher aux gens de s'organiser entre eux.
Je ne sais pas pourquoi je veux empêcher les gens de s'organiser entre eux. Non, je ne vais pas le faire. Si moi, je ne peux pas le faire dans ma communauté, je reste tranquille, mais je ne peux pas aller commencer à... Je vois des gens venir, même sur la toile, faire des posts. Je ne comprends pas le sens. C'est pour cela que ces personnes... Après, les gens vont dire que non, ils sont les sardinats, ils sont les infiltrés. Les gens vont dire que non, on détruit le combat, qu'on indexe les gens comme ça. Parfois, c'est parce que les gens ne comprennent pas. Parfois, ils ne comprennent pas parce qu'on a l'impression que certaines personnes sont là, ils font exprès de tirer le combat vers le bas. Au lieu qu'on avance, ils sont là pour tirer le combat vers le bas. Et moi-même, je ne comprends pas vraiment les raisons pour lesquelles ces gens-là se comportent ainsi. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ils se comportent ainsi. Comme l'a dit même Maître Toko tout à l'heure, je peux revenir là-dessus. Nous pouvons proposer une alternative au changement dans la paix ou pas la paix de Maurice Kamto et du MRC, mais sans toutefois être en train de tirer dessus. Et on l'a dit maintes fois. Voilà le défaut dans notre combat. Voilà le défaut. Si nous avons la science infuse, mais allons appliquer directement cela et ne fatiguons plus les gens. Allons le faire. Pourquoi venir sur la toile tous les jours, fatiguer les gens, tirer par-ci, tirer par-là? Mais est-ce que ce n'est pas fait exprès? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui tire la ficelle et que nous ne voyons pas, nous ne connaissons pas, parce qu'on ne dit ce qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui tire la ficelle pour nous distraire? Parce qu'à un certain moment, ça devient trop. À un certain moment, on se pose des questions. À ce moment, ça devient trop. Et quand ça devient trop, on est obligé de sortir de ses gonds. Et quand on sort de ses gonds, les gens vont dire que non, oh, tu as insulté tel combattant, tu as tiré sur tel combattant, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais pourtant, si le combattant n'avait pas parlé pour distraire, peut-être tu ne serais pas sorti pour parler de lui. Ou bien parler même de ce qu'il a parlé parce que ce n'est pas de lui que tu parles. Donc critiquer peut-être sa manière de penser ou sa manière de parler, tu n'aurais pas fait. Donc c'est très important que chacun comprenne. Nous sommes dans un combat où notre objectif est bien connu. Le changement au 237. Mais si aujourd'hui, nous avons un parti politique qui a toujours proposé un changement dans la paix et que nous avons adhéré, nous avons accompagné, si à un certain moment, nous comprenons que non, ça ne fait plus partie de notre objectif, peut-être c'est là ou quoi que ce soit, nous sommes libres de proposer autre chose, mais sans tirer là-dessus. Nous sommes libres parce que nous n'allons pas jouer au jeu du régime. Le fait de tirer sur le MRC, nous jouons effectivement le jeu du régime. Le régime est très content. Le régime jubile. Ils sont contents parce qu'ils n'ont même plus besoin de payer les sardinats pour le faire. Ils savent qu'on le fait déjà très bien à leur place. Ils sont contents. Parce que le régime est en train de vouloir nous détruire, nous les combattants. Mais est-ce que nous voyons, et le régime veut aussi détruire le MRC, ou est-ce que le MRC peut venir tirer sur nous? Non. Mais pourquoi nous allons partir tirer sur eux? Ça veut dire qu'on est en train de jouer le jeu du régime. Et le régime est très content. Le régime est très content. Et quand nous allons commencer à parler comme ça, vous allez voir que quelqu'un va sortir là-bas, quand même, non, c'est parce que c'est les frères du village. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on accepte, on s'affirme et on s'organise pour leur dire que nous n'avons plus peur, que vous dites que nous sommes les frères du village. Oui, nous sommes les frères du village et puis quoi? Ça change ma conviction pour le changement au Cameroun? Ça égratine quoi? Est-ce que demain, s'il y a une marche, je ne vais pas participer parce qu'il veut dire que je suis, on va dire que c'est pour les frères du village. Je vais participer et je vais toujours continuer à participer. Est-ce que ça m'a empêché aujourd'hui de faire mon live? Non. Est-ce que ça vous a empêché de faire des partages, de me suivre, de m'encourager, d'envoyer des cœurs? Non. Donc n'ayez plus peur, la famille. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur qu'on va vous traiter les frères du village. Au contraire, soyez même heureux, soyez contents qu'on dise que vous êtes les frères du village. Au moins, vous avez des frères. Eux, ils ont quoi? Les ennemis du village? Eux, c'est les ennemis du village. Nous, on est les frères, ils sont les ennemis du village. Et on a vu même comment ils sont ennemis, en train de se détruire entre eux, en train de se taper dessus, en train de se brûler les maisons, en train de faire ceci et tout, des menaces de mort, ainsi de suite. C'est les ennemis du village. Mais nous, au moins, nous sommes des frères du village. Donc, nous devons être fiers d'être les frères du village que d'être les ennemis du village. Et nous devons travailler ensemble en tant que frères du village pour porter quelque chose en commun pour le changement de notre pays. Voilà comment est-ce que nous devons travailler dorénavant. Mais pour arriver à cela, il va falloir que les gens comprennent que nul n'a le monopole dans ce combat. Je dis bien nul. Nul n'a le monopole dans ce combat. Personne. Chaque Camerounais épris de justice, qui a soif du changement, est libre de s'engager et de mener ses actions où il veut, comme il veut. Et nous allons toujours l'accompagner. Nous allons l'accompagner avec les moyens que nous avons. Donc, je vous dis bonsoir, Marie-Paul Alpha Emma, bonsoir. Donc, je vous dis merci.
Merci à ceux qui m'ont suivi. Merci à ceux qui ont partagé le live. Merci à ceux qui ont envoyé des cœurs. Merci à vous. Merci. Merci encore à ceux, à Malolo qui est venu dès le départ. Je sais que je ne sais plus si elle est encore dans le direct ou pas. Et qui m'a apporté son encouragement. Je suis content parce que ça faisait longtemps et tout. Il faut souvent parler. Il faut souvent parler de ces détracteurs qui sont là pour vouloir détruire le combat. Parce que moi, je le parle encore. Cette Malolo, c'est une femme qui est très dangereuse. Très, très dangereuse. Il faut le dire. Il faut le dénoncer. Elle est très dangereuse. C'est une femme à un certain moment qu'il faut se poser la question si elle est vraiment pour le combat ou si elle est pour détruire le combat. Parce qu'elle est très dangereuse dans la cohésion du combat. Parce qu'il est inadmissible que des personnes comme elle, qui normalement, au lieu d'encadrer les combattants, parce qu'elle est cachée, ils sont cachés en faux profil, ils peuvent même aller au Cameroun, faire tout ce qu'ils veulent, sont plutôt là pour détruire, pour faire en sorte que les gens se prennent la tête. Donc, il faut dénoncer le comportement de cette femme qui est très, très dangereuse. Très dangereuse. Et moi, je ne vais pas m'arrêter là, soyez-en sûr. Donc, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais dénoncer cette femme jusqu'à ce qu'elle-même, elle va encore changer de profil plusieurs fois. Parce qu'il ne faut plus accepter cela. Il ne faut plus que cela se passe ainsi. Nous avons trop passé le temps à quoi? Et tout, voilà des gens qui nous ont amenés à nous faire comprendre que nous les Bamiléké, que nous devons nous taire. Nous ont amenés à nous faire comprendre que nous devons nous taire. Non, c'est fini. C'est fini ça. C'est fini, je vous le dis encore. Je le dis. Je vous regarde droit dans les yeux et je vous le dis, c'est fini. Le Bamiléké ne doit plus se taire. Le Bamiléké ne doit plus se cacher. Le Bamiléké ne doit plus avoir peur. Le Bamiléké ne doit plus avoir peur parce que ceux qui ralentissent ce combat ne sont pas les Bamiléké, ce sont vous. Vous les combattants, certains combattants en faux profil non Bamiléké qui sont bien identifiés sur la toile. C'est vous qui nous amenez tout dans la distraction. C'est vous. C'est vous qui nous amenez dans la distraction. Ce n'est pas ceux qui sont engagés. Ce n'est pas ceux qui se battent depuis le premier jour. Ce n'est pas ceux qui sont en train de se battre encore ou ceux qui veulent se battre. Mais c'est vous qui avez amené la distraction. Non, je parle de la femme qu'on appelle, c'est Lori Malolo. Elle a un nouveau profil qu'elle a changé. Donc son profil, c'était Lori Malolo. Cette femme, elle est dangereuse. Elle est très dangereuse pour la cohésion de ce combat. Et nous devons la dénoncer avec la plus forte des manières. Nous devons la dénoncer, cette femme. Elle est très, très dangereuse. Très dangereuse, je vous le dis encore. Elle est très, très dangereuse. Et nous devons dénoncer tous ces gens parce que ce n'est pas normal. On ne peut pas être là en train d'avancer d'un pas. Et les mêmes personnes depuis le début de ce combat, parce que c'est ce que chacun doit se poser comme question. Pourquoi les mêmes? Ceux mêmes qu'on avait accusés au départ, qui étaient là en train de détruire le combat. Aujourd'hui, on ne les entend même plus. La majorité sont entrés dans l'alternance et Kanto, ils sont devenus calmes, on ne les entend plus. Mais les mêmes personnes, depuis le début de ce combat, qui nous ont fait croire que c'était eux qui étaient les bons. Mais nous sommes en train de comprendre que c'était plutôt eux peut-être qui étaient même les mauvais, les méchants. Nous sommes en train de comprendre cela, que c'était eux les méchants. Parce que ce n'est pas normal. Je dis, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'après 3 ans, ce sont les mêmes personnes. Je dis bien les mêmes personnes. Qui sont en train de nous détruire, de nous distraire. Les mêmes. Les mêmes qui sont en train de nous distraire. Donc c'est pour cela que je profite pour vous dire merci et je reviendrai là-dessus. Donc demain c'est samedi. Demain si j'ai le temps, je veux faire un live. Je veux faire un live demain. Je pense que je dois faire un live demain, peut-être à la même heure, 19h. Non, après J. Remingono. Donc après J. Soit avant, soit après, je vais voir. Si je suis disponible, je vais faire soit avant, soit après. Demain, je vais faire un live. Et dimanche aussi, si je peux faire un live, je vais faire un live. Donc, je serai régulièrement sur la toile parce qu'il faut qu'on relance le combat. Il faut que le samedi 30, nous soyons nombreux à la place de Saint-Cloud pour le day, pour la marche est initiée pour le day de la petite Caro de Boya qui a été tuée par le militaire, le gendarme Vogo à Boya. Donc, le samedi 30 octobre. Dans la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine, il va falloir qu'on soit nombreux à la porte de Saint-Cloud. Donc, à partir de demain, je vais faire des lives régulièrement pour appeler le peuple à être présent. Ceux qui peuvent se déplacer du côté de l'Allemagne, du côté de la Belgique, un peu de partout, qui se déplacent pour que nous soyons le plus nombreux possible. Donc, merci à vous, merci. Restez connectés parce que les directs vont s'enchaîner, les directs vont se suivre sur plusieurs plateformes après le mien. Donc, je vous dis merci, merci, merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée et à tout à l'heure. Merci. Attendez, je vais mettre une petite musique. Je ne suis pas propriétaire Facebook. Je ne suis pas le propriétaire de la musique. Bon, mettons notre... Voilà. Maintenant, c'est les frères du village. Donc, mettons notre musique du village. Puisqu'on dit qu'on est les frères du village, il faut qu'on mette toujours la musique du village. Oh, tous les enfants ont les mêmes droits vis-à-vis de leurs parents. Il n'y a pas d'enfant suprême. Oh, il n'y a pas d'enfant suprême. Oh, no, il n'y a pas d'enfant suprême.
danu kenya mangre kabete men da fakino nu volon tem mamen we wondo da fakino nu malon tem mamen ye poligami go mama o poligami golo da magolo mabu da ndunzo mahantang ma pape fem we wondo da wansa bahalanga pakem go da manambo mi bongo ngo ma jene balongo anu ba pong de nu ka pong lambi wo chaba 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 ngo wo solo ngo chaba kamba be abi chaba ngo wo chaba 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 ngo abi chaba ngo chaba kamba da abi chaba ngo mignon mignon cité mignon mignon cité mignon mignon cité mignon mignon cité mignon. Musicien maman, comme nous mémorise, c'est Dieu qui t'a donné. Oh, si tu es pour le balama, comme Samuel et Ito, c'est Dieu qui t'a donné. Oh, son genre, oh Dieu, Dieu, non, non, Dieu a tout donné, c'est Dieu qui t'a donné. Oh, si tu es directement, comme Tangwalala, c'est Dieu qui t'a donné. Merci.